All right. Aïe, c'est tout côté, ça qui passe. Ça qui passe, m'espère tout le monde en forme, guys. Et à soir là, c'est un plaisir pour nous retourner sur live là. Après que nous t'ai passé toute semaine, n'a personne à nous pas trouver du tout. Et on a recommencé la rebalancer pour nous capables de frapper et continuer avec quatrième partie série que nous t'ai commencé qui était les high ticket secrets, optimisation avec conversion. À soi, nous allons plus parler de optimisation avec conversion. Si nous rappelons dans la série avant de parler de bon, une minute, guys. OK. So OK, là juste le message là pour nous t'aider à avancer. So qui ça qui idée hein? Idée c'est à souvent parler de optimisation avec conversion. OK? Et optimisation avec conversion sont bagages que nous connaît déjà qui est très important dans business nous pour surtout avec nous si nous voulons capable bénéficier de système ça qui c'est High Ticket Secrets ça que m'a rappelé nous encore qui fonctionnait très très bien avec Google Ads. Dans la première série, hein, nous t'ai montré nous comment nous t'ai fait la market research, product research, OK, pas rien qui compliqué là-dedans, on a besoin de quelques outils particuliers pour chercher qu'on est qui produit qui marche dans le domaine ça. J'ai juste choisi une niche de produits qu'on connaît qui une gamme de produits qui ont pris des prix qui élevés. Généralement, niche qui beaucoup plus intéressant ces produits qui pour la maison comme je dis ça généralement sur Amazon. C'est normalement sur Amazon là. C'est produit pour household, généralement c'est des produits pour la maison que mon utiliser chaque jour la caillou qui généralement des produits qui high ticket, d'accord? Au capable aller tout dans catégorie santé, au capable aller dans accessories, au capable aller dans accessoires pour la maison, au capable aller dans tools and home improvement, OK? Au capable aller et dans catégorie qui a rapport avec beauté tout, mais au plus aller dans gamme produit qui high ticket, OK? Et méthode ça fait que l'intéressant si nous rappelons nous ça nous t'ai dit nous dans série on a commencé une raison qui fait méthode ça intéressant c'est que si vous avez une conversion de 1% sur site parce que nous parlons de conversion aujourd'hui hein, rappelez-nous que conversion c'est quand c'était monde qui visitait site là comparativement à quand c'était monde qui achetait donc pourcentage ça on a dit que vous avez gagné sur chaque 100 monde qui visitait site c'est une qui achetait donc au bon conversion de 1%. Qui c'est un standard dans l'industrie, ça, dans l'industrie high ticket secrets, dans l'industrie high ticket dropshipping là. Ok, qui sont un standard. Mais l'idée, hein, c'est que vous capable aller au-dessus de standard, ça, vous capable aller jusqu'à éventuellement 2%, depuis même vous fait un beau travail. Ok. Nous t'ai parlé nous déjà de différents types de suppliers que nous t'ai joignés dans la série troisième série. Hein? Ok. Et je dis là, nous allons plus parler de optimisation avec conversion. OK. Donc, on salue le monde qui l'a, on salue Edir Richard, Leslie, Manus, moi salue, frère Pam, Johanna, c'est un plaisir pour moi là, soyez, Marc Chetro, Jafet, Pierre Illus qui l'a, OK, Kevin, content ouais, et puis James P. Right. So, pour nous même qui en bas live, guys, juste fait un plaisir de partager lui, et puis, tant pis, en même temps, tout bas nous love là, et qui t'aime partager écran là, rapidement, pour nous capables rentrer dans le sujet à soyez là, côté que, nous pour aller va me retirer bannière là qui en bas OK nous pour entrer en dans sujet hein, qui c'est comment pour capable préparer site une fois qu'on fait une market research ou rappelez-nous que si nous m'a bien pour me voir lien ça bas nous OK demain m'a juste publier là n'a bien lien pour nous gars ça avec présentation si mon si nous ta préféré gars ça avec présentation pour nous capable rafraîchir mémoire nous OK pour monde ça intéressé donc si nous rappelons dans première série nous avons parlé de comment pour joindre produit aller sur Google OK. Je vais commencer encore une fois avec Amazon, juste aller sur Amazon, ou capable juste arriver sur Amazon, entrer dans en n'importe catégorie, catégorie qui est encore que moi recommander, ok, ou capable considérer catégorie sur Amazon, tant que automotive, sont belles catégories quand on capable jouer un produit high ticket tout, ok, et souvent font bon travail, même lorsque on sait de gros acteurs dans Nissa, on sait de gros brand, ou bien de gros plateformes que monde connaît, on est capable d'aller avec beaucoup plus accessoires, ok, et tant que tapis pour machine, décoration pour machine, OK, mais plus des produits de haut de gamme, OK, ou capable de faire un produit high ticket store dans beauty and personal care, dans baby, OK,
ou capable de faire tout avec baby, surtout même lorsque il y a des gros marques ou strollers que vous connaissez déjà, mon capable aller dans des gammes côté que pas un brand qui vraiment différencié ou qui séparé dans marketplace. Ça même d'après commando ça. Computers, ok. Computers sont l'autre série encore tout que l'on peut utiliser et capable utiliser iTicket dropshipping là, ok. Des accessoires côté que moun pas vraiment pense à une marque, les a pas acheté on a dit accessoires tant que et bah on a bagay film pour écran, ok. Accessoires tant que nous capable dit lights, ok. Si moun a besoin de lumière pour capable mettre effet green screen pour le bon système green screen la Kylie qui sont on niche qui marche très très bien qui marche très très bien, ok. Capable mettre système green screen non, même des gros clients qui ont commencé ça mais pour raison l'autre monsieur était vague mais ça a commencé à marcher très très bien pour lui, ok. Donc Luxon son bah live vraiment fait mon pour frère, ok. Donc et ça a commencé à marcher très très bien mais pour raison l'autre monsieur était décidé camper lui. OK, donc nous gagnons Human Kitchen, c'est une pigou et catégorie pour le cap, donc paquet produit high ticket, OK, store the tools and home improvement et en même temps tout bah qui en rapport avec toys and games. Juste penser bah à côté que ça qui est important c'est que dans ni ça ou pas le faire produit côté que j'annote Zolan moun pral capable penser avec un marque qu'on a déjà, OK. Ça est vraiment vraiment important que ou pas quitter ou pas pour le faire pour du côté mon nan comme c'est qu'on marque que li déjà connaît, d'accord, côté qu'on marque que li déjà connaît. Donc ou besoin focus surtout sur le produit côté que marque là même li poko fin établi pour qu'on gagne marque qui connu sur marketplace. Donc c'est supposons mon question est-ce que qu'on marque mais ni ça et ben li pas ka répondre question li pa gon est-ce que pa gon marque de prédilection parce que pas oublier encore une raison pour choisir niche là c'est lorsque ou connaît que li pas brand driven, OK, ou de make sure que li dropshipping friendly et pour capable assurer que li dropshipping friendly ou juste besoin de leur chercher avec Google. OK, assure que l'on regarde les produits yo, est-ce que gen ladan yo, OK, l'on regarde les compétiteurs yo pardon, est-ce que gen ladan qui pas gagner qui pas gon local physique côté que y a ship produit, est-ce que gen ladan qui pas gon adresse physique ou bien ladan ko wè ki dit ki représenté tête yo, l'on regarde l'on aller dans information about us pour avoir information sur site là, mais wè que n'est la présence de yo online retailer, ça veut dire que ils sont moun ka vendre produit online, OK. Donc généralement souvent que c'est yo wetet yo soit simplement comme des online retailer pas un local physique côté mon gal pick up produit hein. Donc ça veut dire bien pile chance tout que produit ça que la bonne là ou bien niche ça les dropshipping friendly et ou même ou rentrer là-dedans. OK, donc moi si vous même voulez commencer avec Amazon moi bon idée quatre catégories de gab commencer rapidement, OK, et n'a pas rappelé nous que ou gain pour faire ça que le business formation nous, OK, sous gain LLC ou déjà, OK, ou bien sous votre gain sous gain déjà tant mieux sous votre gain c'est un bon réseau pour commencer faire ou gain IAN number ou gain ça le reseller certificate là nous te montre nous exactement comment pour nous joindre bail ça on fait petite recherche avec Google ou gain tant qu'on est comment pour faire les ou capable gain doing business as qui sont bail qui optional, OK, et ou supposé que un website un téléphone number, OK, nous te ba nous quelques applications que nous capable utiliser tant que Hushed Twilio, OK, nous te ba nous quelques applications nous avons utilisé pour ça. D'accord? Donc, rappelez-nous, lien ça, on a gagné dans la présentation lorsque nous partageons ensemble avec nous. Surtout que nous avons juste et juste cliquer sur vous et puis aller côté information. OK? Pour le seul certificat, rappelez-nous, ou juste besoin de faire une simple recherche. Et pour qui ça est important, c'est parce que il y a quelques suppléants qui vont être ensemble avec vous qui prennent le mandat ça. OK? Et en même temps, si yo mando sa rele yon NAICS code, OK, qui c'est North American Industry Classification System, code pour moun ki se devan revendeur online, code lan c'est ni la 45, OK, 4110. All right? So, à nous regarder pour nous website domain, OK, nous te montre comment pour checker notre domaine Nemo ou qu'on va aller sur une plateforme qui est le name check pour make sure que il est disponible sur toute plateforme yo, sur est-ce qu'il est disponible sur les réseaux sociaux et tout. OK, pour phone number, nous te parlons de Twilio, nous te parlons de Google Voice, Grasshopper qu'on va utiliser et en même temps application qu'on va bien sur téléphone tant que Hushed et puis Dingtone. OK, et puis pour création site web là, OK, Shoptimize c'est plus gros thème que nous t'es capable d'utiliser dans ce sens ça. OK, même vraiment recommander nous lui. OK, même lorsque il y a Portland, il y a Prestige, il y a l'autre encore qu'on capable éventuellement veut utiliser si vous voulez. Et puis pour application pour ce là, OK, on a rappelé nous toutes les applications que nous avons là. Bien sûr, on a une présentation, donc on pas besoin d'aller dans liste là une par une. Comment pour classifier supplier, OK, donc nous avons un lien là, Ruby, Emerald, Diamond, comment pour joindre yo ou juste aller et sous site compétiteur yo, OK. et aller sous lien sous site compétiteur yo et assurer que ou capable ouais OK qui différent l'autre
compagnie que même yo travaille ensemble avec yo. Et généralement compagnie ça yo toujours mande yon place prépondérant sous page principale là que yo mette bannière yo. Ou ka aller connait pour commencer faire recherche pour OK garder yo pas best seller, filtrer li pour qui brand qui est best seller et ça pas être capable même tout travailler sous propre liste best seller pas. Mais on va rappeler nous encore que en formation nous mettons liste de supplier comme même capable reach pour capable joindre qui directement disponible aux États-Unis et liste là pas nous pas filtrer li pas qui est là qui ruby qui emerald qui diamond il va dépendre de même pour charger ou chercher yo, OK. Il prend le plus difficile pour jouer dans supplier emerald ou diamond qui approuve au bonheur. Juste commence avec un ruby, c'est-à-dire une qui pas mande map qui pas mande prix minimum, OK. Moi préfère travailler avec ça qui prix minimum yo parce que avec leur prix minimum non assure que dans niche là tout le monde obligé à vendre presque même prix, il va pas vendre plus bas que prix ça. OK. Et après ça, qui ça va mando, nous te parlons de expliquer qui ça supplier va mando, comment pour parler ensemble avec yo, OK. Et en même temps tout et comment ou même ou doit présenter tête ou parler dans téléphone. OK. Donc on entre dans parler de optimisation avec conversion. OK. Pour ça qui est important c'est que ou supposé pour capable vraiment bien optimiser c'est tout, assurer qu'on capable générer créer urgence avec rareté. OK. Donc on façon capable faire ça, on va que moi en pile monde toujours fait sur ce dropshipper, je dis free shipping on all orders ou bien free shipping dans tel bagaille. On peut y avoir façon capable faire ça, c'est au lieu de juste free shipping on all orders, mais mettez un chiffre spécifique, un montant spécifique à partir duquel même vous buy free shipping et additionnel avec une certaine scarcity. Vous mettez rareté. Rareté, c'est que vous dites que, OK, off ça, c'est bon, bah, il va durer tout le temps. OK, vous êtes capable de dire que off là, il expire à minuit le 31 mars 2021. Vous êtes capable de juste changer le chaque mois. OK, chaque mois, vous voulez, vous venez, vous changer. OK, dit que OK, ça va expirer le 31 de chaque mois ou bien on change chaque quinzaine. Mais les mon chaque mon a venir sur site là, dit que OK, non seulement buy off free shipping là sur tout order ça pour order qui ont certain montant minimum, OK, qu'on mettait sous lit, mais en même temps tout ont certaine scarcity ou mettons certaine urgence et rareté là-dedans pour que ce même capable passer à l'action le plus rapidement que possible. On l'autre méthode qu'on a utilisé ou juste dit ou buy shipping rapid, expedited shipping on all orders placed before 9 a.m. EST. Gonwa gen moun par exemple kap di moun yo, OK, sou fè commande avec carte de crédit ou bien sou fè commande directement au lieu pour utiliser PayPal, ça va dépendre et en plus ça va dépendre de sou gen différentes méthodes de paiement, OK? Gen moun ki di moun yo, OK, sou fè comme que customer sa yo des fois oublier payer. OK? Donc en pile dropshipper qu'on préfère que moun aller même li payer avec carte de crédit li ou bien avec PayPal li. Donc là ça veut qu'on dit OK, y a bay moun nan shipping plus rapide ou bien y a process order plus rapide si moun nan paye avec carte de crédit ou bien avec PayPal li. OK? Ou bien encore li konn c'est à l'inverse, gen l'autre moun c'est à l'inverse, c'est pour moun nan plutôt le paye avec boleto parce que boleto a son cob comme si moun nan le déposer, li prend cob là de bank account, le déposer sous bank account et dropshipper a et par exemple qu'une façon que il est capable bali chargeback. OK, donc c'est une raison que en pile dropshipper préféré yo dit mon OK n'a ship pour jump rapide sous payer avec boleto, d'accord. Donc ça sont l'autre méthode on capable à utiliser tout ba mon yo dit mon quoi ship rapide si yo, et si on fait order yo avant certaines heures pendant journée hein, jusqu'à 9h am eastern jusqu'à 10h am jusqu'à 11h ça va dépendre de qui l'heure mais moi juste vous les mettez moi juste mettons l'heure OK ou connaît que ou capable dit client que il y a process order immédiatement OK à partir jusqu'à avant 9h AM, OK? Ou bien, l'autre méthode que vous avez utilisé, 7 extra $10 of all orders, ou bien, vous avez un code, OK? Et vous dites qu'il est code, là, il n'a pas expiré, OK? Comme vous dites, il a expiré telle date, ou bien, vous dites, il n'a pas expiré tel jour, OK? À telle heure exactement, OK? Donc, ça, ou pas juste, vous dire, vous avez OK, n'a pas 10% off, et pour juste, le coupon, hein? Mais, faire connaître le coupon, hein? OK? Il y a un certain délai, là, dans les dates d'expiration, en sorte que vous capable de mettre une certaine urgence, tout, la caille customer. D'accord? Vous êtes capable de dire, par exemple, que le code seulement gagne 500 usages, il réserve demain à 500 premiers mondes qui utilisent, et pour un compteur qui chaque fois dit, mais combien usages qui étaient. OK, là, ça va obliger de faire manuellement. Par contre, c'est une application qui permet que vous êtes capable d'update automatiquement, mais son travail est éventuellement obligé de faire manuellement. OK? Expérience utilisateur avec contenu. Et pendant ce temps, pendant nous là, maman allait pour nous donner un exemple, nous donner un exemple sur la question de urgence avec rareté. Hein. Si nous allons sur le site QVC, hein, après comment vous faites. Et nous allons que nous prenons le site ça tout comme exemple dans la façon dont nous voulons présenter le site. Nous n'avons pas obligé exactement le même template. Là. C'est vraiment difficile peut-être pour jouer nos sites qui est exactement le même template que QVC. Hein. Mais l'idée, c'est qu'avec ce qui est dans mon nom, on est capable de travailler ensemble avec les poubelles feeling ça. Okay? On est capable de voir comment nous appliquer ce qui est là. Okay? Je juste dit,
$10 off on your first order with code offer. OK? Mais ça veut dire là qui est vraiment intéressant, il dit see restrictions. Automatiquement, un customer qui veut gagner $10, ça, il va regarder OK, qui restrictions qui est sur, il a cliqué là pour la chercher connaître OK, qui restrictions qui est sur. Automatiquement, bon pop-up qui paraît. OK? Après que il dit OK, mais mon n'a supposé après que il dit this promo code is only available for a limited time starting February 13th at 12 a.m. Eastern. OK? Donc il dit mon mais pour combien de temps les disponibles pour temps limité, il commencer le 13 février, et il va même dire peut-être qu'il est là, il va dire qu'il est là, fini, qui dommage, ok? La première, même lorsque son gros plateforme, là encore, nous avons plus grand petit problème, là, il est capable de dire peut-être que, qu'il est là, fini, il dit qu'il est là, commencé, mais il va dire qu'il est que là, fini. Mais il juste dit que QVC, les réserves doivent aller pour le capable de camper le programme, non, n'importe qui, là, sans que Baba ait enquête notification. Anyway, ça qui est important, c'est que nous, que vous mettez sens urgence ça, là, qu'il y a customer. Et si customer qui vient là, les informations, il voit que, oh, n'importe qui, le programme, n'a qu'à camper. OK, n'a pas dit qu'il est là pour camper, il a juste dit qu'il est le commencer, il n'a pas dit qu'il est là pour camper, il a dit que n'importe qui est là pour camper. Donc, ça met ton petit crasse peut-être urgence là, qu'il y a customer. Si il y a là, c'est parce que le marché pour lui. Donc, automatiquement, si le customer ça voulait acheter, donc, là, prêt pour lui qui est en préparé, premier commande. OK, pour lui qui est en place, premier commande, parce qu'il a voulu bénéficier de $10 off ça. OK? Donc, si on forme de structure pour website là, pour landing page là, pour page principale là, que je pense que nous devons respirer nous de lit, je pense que ça, c'est en même temps tout un excellent modèle que nous-mêmes nous devons inspirer nous de lit. OK? Nous n'avons pas obligé faire tout ça au fait, mais c'est juste inspirer nous de ça que nous-mêmes nous voulons pour partie visuelle. OK? On va qui marche pour moi-même particulièrement, c'est que n'a pas pour on va qui marche pour moi qui on idée même moi gain particulièrement, c'est que moi ba mon on date. Et qui côté me joindre et qui côté me joindre de ça c'est directement sur Amazon. OK? Parce que là marcher sur Amazon, yo dis par exemple la privée bon date, bon délai entre 1er avril et 19 avril. C'est mon dans les mêmes livres acheter li. Customer il connaît la page, est-ce que la prend li et puis il connaît que date il arrive le livre. Et puis customer il décide est-ce que la acheter ou pas. Qui sont ba qui était lorsque même moi implémenter sur site ça avec produit ça et c'était en juillet et on va comme ça était augmenté nous de façon extraordinaire. Du coup, on est même allé directement sur Google Analytics pour nous montrer nous comment tout bas était là avant mois d'avril etc. OK, mais comment était là en avril, OK? Quand c'était mon qui d'avoir sur site là et puis pour nous voir qui point bah ça t'est augmenté conversion de façon extraordinaire. OK, si on d'aller pour nous voir conversion là nous pas revenu pas qu'apparaître mais pour nous voir quand c'était revenu que ça t'est bail tout ça n'a pour là c'est visite avec conversion quand c'était conversion que t'ai mené pendant période ça entre mai avec août bon jusqu'à ce que me devine des problèmes avec supplier qui t'a dévoyer on pas traite produit qui t'ai gain problème donc nous t'ai obligé camper pour nous capable résoudre problème ça dans début mois d'août là. OK, donc voilà, OK, nous avons un résultat, c'est un bagage qui est vraiment vraiment extraordinaire simplement parce que nous avons fait ce petit changement ça, OK, nous dit mon OK, produit privé juste copier ça que Amazon fait hein, moi juste copier ça Amazon fait hein, bah mon en délai côté que il connaît que éventuellement produit privé et ça te met tes customers beaucoup plus en confiance pour y acheter parce que connaît que il veut produire en façon qui plus rapide, tu as même arrivé en façon qui plus rapide. Ça sont bagage qu'on capable faire avec avec template que nous gagnons sous store ça c'est nous rappeler nous que sous store ça une application que moi utiliser pour me faire store ça c'est une truc de li que me parler en pile dans formation hein dans formation dropshipping IQ Academy hein? OK m'a juste montrer nous là pour nous capable voir li. OK, donc il est là, il est e-com solide, OK, ou capable bien accès avec les gratis ou bien capable utiliser version payant tout, OK, choix aller même dans mon, OK, ou capable combiner li avec on application qui est Gem Pages Page Builder qui c'est application ça que m'utiliser pour capable bâtir page sous pour des produits sous site là tant coup pas mal sous page principale là. OK, c'est la même application ça que m'utiliser pour me capable faire homepage là. OK, moi j'ai utilisé même application ça pour me capable bail homepage là feeling ça que nous qui gain là. OK, et pour me capable bâtir page pour pratiquement pour produire ça. Sinon aller sous page produit ça là. OK, n'après que nous font landing page sous lui. OK, et encore une fois et ça peut-être expliquer nous rappeler un peu plus ça qui a montré site là montrer produit parce que c'est un brand bâti. OK, c'est aussi simple que ça. C'est un brand n'a bâti, l'homme n'a bâti son brand, nous besoin visibilité. OK, c'est pas un problème que gagne monde qui a cherché copier soit vendre. OK, on pas peut-être tout produit ça disponible sur AliExpress, n'importe monde capable faire yo, mais j'en nous présenter là capable nous li ba nous un avantage compétitif et c'est une barre que nous même nous montrer en information. OK, donc nous avons landing page ça là, on va essayer de faire ça en petit classe parce que résolution page ça un petit genre pareil. OK, donc
Je suppose que c'est fait mal senti parce que petit, il prend trop d'espace. OK? So anyway, nous avons Jean là, mon nom est là, nous avons un texte là, bla bla bla, le monde a cliqué là pour commander par là et puis Jean nous présente page produit, hein, OK? Donc voilà. OK? Et pour mon nom est là en action, nous mettons vidéo là. Vidéo ça va nous même qui fait, nous jeune directement chance pour moi, je ne directement sur YouTube, un monde qui font vidéo pour te juste montrer. J'ai un produit à marché pour lui, et ça a marché très bien. Nous mettez en reviews là, exactement. Nous mettez les résultats que nous capable de voir, comment nous capable d'atteindre les résultats, ok? Semaine 1 à, premier 2 semaines, 2 à 4 semaines, 5 à 6 semaines, 7 à 8 semaines, les gars, bon résultat, ça, en plus, c'est la même qui fait, c'est un monde, mon jeune, qui fait testimonials là, ok? Et puis, nous avons l'autre image là, ok? Et finalement, mon nom là, les capable de venir là, et puis l'acheter produit, hein, ok? Et finalement, nous gagnons, frequently asked questions, ok? Questions que vous nous présentez fréquemment, et qui ça vous dit, qui ça vous dit, sous page produit, hein? Nous va mettre 3 reviews, ok? Nous va mettre 3 reviews, nous va appeler pour bailler l'empêche, on bail comme si c'est fake, n'a fake reviews, yo. Il y en a un reviews qui est honnête, nous fait ça, oui. Mais nous te commence avec quelques reviews de jeunes sur AliExpress, et nous va l'expliquer nous, pour que ça l'important, pour toujours gagner un review, parce que les reviews, yo, qu'elle est dans un pile dans la conversion, on va aller mettre 3, ok? Il y a quelqu'un qui fait dans son store, et puis il fait dans son produit, et puis, tout le premier bail là, c'est que tout review, c'est 5 stars. OK, ça sont ou commettre, OK. Faut on capable mettre un petit mélange 3 stars, 4 stars, 5 stars pour mon que bail plus honnête, OK. Et en même temps tout, OK, ou pas vle mettre 3, ou pas vle mettre 3, ou fait commencer, ou pas supposé que t'as un site qui fait lancer pour que t'as gagne, on a 5000 reviews et puis on pas quelques reviews anglais ou mal écrit, ouais ça m'a dit là, OK, anglais mal écrit, donc il vient t'en montrer que la gon bail qui vraiment fichi et c'est une raison tout que Google actuellement a PD désactiver Google Merchant Center. À compte Google Merchant Center sous en pile pour en pile monde. OK? Donc, vous besoin de paraître legit. Vous besoin de paraître le plus legit que possible. Donc, vous n'avez pas besoin de rien pour ça, on paquet reviews. D'accord? Donc, nous avons nous présenter page là. Et si nous regardons la version mobile là, c'est une bagaille que Jam Pages lui-même libère à nous. OK? Nous pas besoin de page source là. C'est pas ça nous besoin. Nous besoin de inspect page. OK? Et nous essayons de version mobile là, comment elle paraît. D'accord? Donc, parce que pas oublier que 90% de monde va venir à partir de téléphone, même lorsque vous faites trafic sur Google. Donc, assurez-vous en même temps tout que vous gagnez une belle visibilité, vous gagnez visualisation, hein. OK. Expérience que le customer a gagné à partir de téléphone, lui, une expérience qui en même temps tout extraordinaire. Donc, vous allez venir là, leur faire inspect page avec Google, avec Chrome pour tester avec différents types de téléphones. Là, par exemple, sur iPhone X. OK, et puis vous capable regarder pour est-ce que tout bail est correct, est-ce que texte format, OK, est-ce que tout bail est correct, OK, là et dans ce que tout bail correct là, OK, yes, OK, mon arabe, comment l'a venu, comment l'a joindre, comment atteindre résultat, boum boum, et puis bâton chocolat, et puis voilà, l'acheter. Et ça nous fait avec deux applications ça que nous capable là, OK, c'est pas un bail que nous payer pour faire, je chita même moi faire moi-même et montre exactement comment même tout capable faire directement sous store. Il juste demander que ou prend petit temps pour capable exercer pour capable faire, OK. C'est pas un bail qui vraiment compliqué guys, deux applications ça, OK, pour combiner e-com solid avec Jam Pages. Jam Pages fonctionne avec n'importe qui template qu'on gagne, OK, mais il encore beaucoup plus les combiner puis encore plus bien avec e-com solid. On a utilisé n'importe template qui gratis, OK, sur Shopify. Et puis, après ça, utiliser e-com, Jam Pages pour capable vraiment structurer page ou, ok, pour que chaque page et qui sous store. Ou capable bien, ou capable faire un page pour brûler le long temps, pour créer un propre template pour, ok, et pour utiliser tout produit qu'on gagne, yo. Et vous créez un template, ou venez là, regardez sur QVC, ou est-ce que ça n'a fait, parce que qui ça qui est un website? L'obgade un website, qui ça qui est un website? Un website, c'est une combinaison de lignes, colonnes, images, vidéos, texte. Aussi simple que ça. Parce que là, ça sont lignes. Dans la ligne, ça a un texte, ça a un lien, il y a un hyperlink, il y a un bail, ça a un. Ça sont l'autre ligne encore. Ils mettent une image dans le fond. Ça sont l'autre ligne. Ils mettent une image ça en donne, OK, mais ça sont ligne. Ça sont l'autre ligne encore. Ils font une ligne dans là. Ils mettent 3 colonnes. 1, 2, 3. Ils mettent 4 colonnes, OK. Ça sont l'autre ligne encore. OK, ils mettent un carousel là-dedans. D'accord. Ça sont l'autre ligne encore. OK, ils mettent un. Je mettez une image avec un texte, avec un bouton pour craquer. Ça, c'est 2 colonnes. OK. Vous venez là, ou ça sont l'autre ligne encore, puis vous venez là. OK. Ou elle a 3 colonnes. Ou elle a 4 colonnes. 1, 2, 3, 4 colonnes. Ça sont l'autre ligne encore. C'est aussi simple que ça. OK. Simple, mais ça veut dire que c'est facile. OK. C'est justement pour gagner expérience, pour apprendre à faire ça. OK. Ou même, vous pouvez acheter ou faire website. Ou chercher un barrage dans un niche ou un costume ou un compétiteur qui font un barrage qui semble un barrage pour même vous capable d'inspirer de lui. Et vous juste aller vous faire même barrage. C'est juste besoin pour apprendre à combiner. Visuel ou juste besoin capable de faire bonne impression sur expérience visuelle que le customer va gagner sur le website. Parce que trust qu'on va le bailler, confiance qu'on va le bailler, customer, c'est exactement ça. Cela, tout ça, l'ouais. Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend.
Et en même temps, tous les deux deviennent de soi pour ouais, parce que si j'en sortant, ils permettent pour ouais. OK? Donc, les customers, ils viennent sous site, ça, l'ouais, ils peuvent permettre qu'ils connaissent quelqu'un à faire confiance ou pas. OK? C'est ça, l'ouais, ils peuvent faire connaître quelqu'un à faire confiance ou pas. Et pas oublier, côté où mettez focus ou côté où mettez attention, c'est la énergie où vous allez. OK? Where attention goes, intention follows. Donc, qui côté où vous voulez customers mettez attention? OK? Dès vous capable focus ou qu'on est capable d'utiliser tout élément visuel pour attirer attention customer, intention pour l'acheter, hein, la venir naturellement. Tout pas va l'acheter, mais c'est pas évidemment, OK? Et ben on va pas le conversion rate de 100%, on va pas le conversion rate de 50%, on va pas le conversion rate ou pas le conversion rate de 30%, peut-être ça va arriver qu'on gagne li, c'est un bagage extraordinaire, OK, sous ta fond bagage comme ça, OK? Mais on gagne quand même un excellent conversion rate dès pour apprendre pour façon pour même vraiment capter attention customer. Donc l'on vient sur site compétiteur, l'on regarde dans niche, garder pour qui ça compétiteur yo fait pour capter attention monde. Qui couleur utiliser, qui texte utiliser, qui ça dit, qui image utiliser, OK? Et puis utiliser exactement même élément ça. On pas obligé plagier, on pas obligé plagier personne monde, mais on capable inspirer directement de ça que même ouais, yo faire. All right? Ça lui même dit vraiment important que vous compreniez et j'espère que ça a son un type que nous baoum bois sur ça au cas d'utiliser c'est même sur ça que nous utiliser nous pas nécessairement au professionnel dans faire website on pas conseiller peut-être comme expert dans faire website on pas un webmaster on pas un web designer mais nous juste qu'on mette ligne avec colonne et puis nous juste qu'on combine couleurs. OK, c'est ça seulement nous faut et nous pas inventer couleurs, nous juste garder qui l'autre couleur compétiteur nous utiliser une application, une extension Chrome gratis qui les couleurs et les couleurs là. OK, qui juste permettre que lorsqu'on vient sur un site, on va mettre le sous site là, par exemple, c'est besoin qu'on ait OK, qui couleur ça que vous utilisez là, on veut mettre même couleur, juste cliquer là, boom, pick color from page et puis me vient là, on clique et puis boom, il dit OK, mes code couleur et puis tout copier pour moi automatiquement et puis me gal pester côté me besoin utiliser là sur site moi ou bien sur Canva ou bien sur le fond bannière sur Canva ou bien fond bannière sur bah on est sur expérience avec Photoshop ou bien whatever ça on utiliser hein. OK, donc ou capable aller pour créer même couleur. Mais besoin qu'on qui couleur oui ça, lui m'd'a utiliser même bagaille là, fait même l'élément, besoin qu'on ait fond en que rien là, il pas semble un fond qui blanc, semble qu'on petit couleur lié. OK, m'd'a besoin qu'on ait qui code couleur là, m'capable faire exactement même bagaille là. Image ça, m'd'a besoin une image qui comme ça, m'ga jeune image directement sur Google, m'ga mandé et supplier m'nan pour ben moi image que lui même li gagne déjà de haute qualité. OK, ou bien m'ga juste chercher stock image sur site de plateforme qui 100% gratuit parce que me juste voulais montrer catégorie. M'pas passer à vendre un brand en particulier, même juste voulais montrer catégorie que même voulez bon produit. OK, donc c'est une combinaison de lignes, un website est une combinaison de lignes, colonnes, texte, images avec vidéo. Mais ça qui est important, c'est comment utiliser les, comment structurer les et puis comment combiner tout bas, ça va pour jouer un résultat qui est capable vraiment impressionner le customer là, en sorte qu'on capable capter attention li, prendre attention ça et puis diriger attention ça à côté que vous même voulez mener là. OK, donc si nous avons l'autre page que nous avons montré nous là, après c'est exactement sa page que vous avez montré nous. Même page d'accueil là, c'est pas même, c'est pas en bas que moi je n'ai pas template sous lui, c'est directement avec Jumpages que moi fais lui. Côté que moi, là, mon envie, il dit, dit, OK, qui résultat me caracone, mettons image ça avant, après. OK, il est capable juste coller pour le. Imaginez que tout bas qu'on capable faire avec ça, OK? Nous devons juste mettre deux images, une à côté de l'autre, on a avant, après. Même des préférés font bas à côté qui les plus permettre que les gens viennent sur le website, là, OK? Ils sentent qu'il a participé à une expérience. Une expérience que la France a avec vous, qui est différente que éventuellement que vous avez une expérience avec l'autre monde. Une belle raison que vous êtes supposé acheter produit directement pour vous, et puis automatiquement capable de cliquer là pour acheter un dispositif que nous gagnons. OK? En nous prenant. À nous pas produire ça, c'est exactement même bah là parce que moi juste prends template là, OK, moi nous fait ça comme ça. OK, moi juste prends template et puis m'applique elle pour tout produit honnête, OK, c'est même template là et puis juste changer ça me besoin changer hein, et puis m'applique elle directement pour tout produit. Après c'est exactement même bah yo, on va inventer image, on après c'est même bah là. OK, donc on va juste aller ou même ou créer propre template par, OK, et puis ou faire exactement même bah là sur site par, OK, même bah là pour commentaire yo, on va besoin mettre yon paquet, c'est pas ça que faire mon acheter dans mon, OK, il y en a commentaire là qui 100% réel, OK, et m'a connaissé tout, mais nous commencer avec quelques gun là dedans et puis ou même on commencer bâti site ou OK pour bali aspect visuel ça. Donc nous juste voulez pour un petit temps pour m'aller sur ça, OK, pour nous pas prendre ces gars que bali compliqué, li mandé un learning curve, li mandé pour prendre temps vraiment pour apprendre comment pour faire li mandé pour prendre expérience, on va finir par gagner au fur et à mesure ou même que on va faire li. OK, mais au fur et à mesure qu'on va faire, on va finir par gagner dextérité qui permet que ou même on capable appliquer li à toute bagaille. Pour me capable utiliser image fond blanc yo là, pour me capable retirer pour mettre image qui transparent,
m'utiliser Canva version professionnelle là qui coûte on va connait $12 ou bien $5 par mois, m'a songe exactement combien il coûtait. OK, ou quand juste pour version professionnelle Canva, on prend image ça au sens de l'autre site. OK, c'est pas image que me fait mais même bal design, on illustrateur, on graphic designer. OK, mais il y a monde qui puis bon passer, moi juste prend inspiré de ça que vous faire et puis on va le copier ça nègla faire un pour pour. Bien sûr, on va le plagier nègla même juste inspiré de ça le faire et puis moi venir avec un bagage qui 100% qui unique. OK, qui différent. OK, donc c'est ça qui va permettre que ou capable différencier surtout dans marketplace là. OK, donc laisse ça ou capable vraiment présenter un produit on gamme de produit côté que nous dit OK max ça li camper pour bagaille moun yo que l'ou vinn sou site toi li camper pour OK son brand qui travaille dans dispositif pour beauté pour soins personnels. OK, parce que c'est principalement sur ça nous étions focus et c'est un produit que n'a joine sur n'importe qui dans joine sur AliExpress, n'a joine sur plusieurs autres sites, mais cependant façon nous présenter là bah nous un avantage compétitif. OK, parce que toute bail en chita dans façon comme nous fait branding là, exactement même bail là pour produit ça nous avons boire gens nous fait template là. OK, nous gagne image ça qui là boum ça c'est Photoshop lié. OK, nous juste pour un monde et puis nous mettez produit en mail. OK, m'pa expert là dame de juste PFL pour moi. Ça t'a coûté à peine $5 pour mon juste faire ça, OK? Et puis voilà, mettons image là, texte, OK? Ou toujours besoin d'utiliser bullet points, yo, OK? Vraiment intéressant. OK, mais je n'ai GIF là, OK? Pas juste mettre GIF ou mettre GIF, comment utiliser GIF là, c'est vraiment important. OK, commentaire yo, et puis comment mon appel attend un résultat, et puis mes résultats mon gars, OK, boum, mes résultats yo, mais comment le gars résultat, comment résultat que le gars va venir, comment le gars vivre résultat ça yo. Et puis les gros textes là, les gros l'autre commentaire, on cherche une image au monde qui peut être plus ou moins réel, OK, et en même temps ou vient finalement mon gars va décider est-ce que la page telle comment elle a acheté etc. Donc après que nous font page pratiquement nous devons mettre l'autre produit, nous devons mettre en bas là l'autre produit qui recommandé, ça c'est un produit qui vend très bien. Et n'a pas remarqué tout gain 1-star reviews, OK, gain 3-star reviews, OK, ou pas besoin gain tout reviews yo qui paraît comme si nous dit nous que c'est des reviews qui 100% original. OK, nous devons commencer avec quelques reviews que nous devons directement sur AliExpress, OK, mais après OK au fur et à mesure que le customer a acheté nous venons commencer à recevoir plus reviews et nous parlons de reviews là. Et pour ça, c'est important pour toujours demander customer pour yo baou reviews lorsque yo même yo fin acheter produit. So, on va me sortir sur site ça, OK, pour capable comprendre idée, intention, n'a parlé de urgence avec ERT hein, et puis en même temps tout buy customer une expérience qui est tout à fait unique sur plateforme ou sur site web. OK. Donc c'est dans ça nous tout entrer là dans expérience utilisateur avec contenu yo, qui contenu qu'on supposé assurer qu'on gagne sur site tout. OK, ou supposé gagne par ça parce que premièrement un c'est yo Google va le besoin pour capable vérifier et capable approuver par jour. OK, l'ombre elle fait à compte sur Google Merchant Center. About us, general conditions, privacy policy, shipping policy, return policy, ou va mettre returns, exchanges, damages, expliquer trois bagages ça, comment mon ka vouloir retourner produit hein, s'il pas besoin encore, s'il veut changer produit hein, et si produit lui même les damage pendant notre transport ça qu'on arrive, OK, que produit les damage pendant transport, comment on va gérer ça. Et c'est une bagage tout qu'on supposé mettre au clair ensemble avec lui, avec supplier là, on même commencer mettre ou commencer faire business ensemble avec lui, parce que c'est une on part, c'est une plus gros partie dans business là, c'est générer gérer retour, gérer produit qui a un problème avec customer. Customer support là, il est vraiment important. Refund policy, on page pour nous capable track command li, page pour le contact ou bien support et puis FAQ. OK, d'après que nous mettez FAQ sur presque toute page qui gagne dans produit. Donc ça c'est des pages que vous supposez gagner. On nous rentrer qu'on y a dans review. Pour ça review important. 90% consommateurs dit que ont acheté sur un site à cause de review. Reviews augmenter confiance dans site web jusqu'à 12x, jusqu'à 12 fois, mon offre plus confiance. Sous pas gain reviews pour commencer, pas oublier que ou pral prendre des produits dans des suppliers qui déjà disponible aux États-Unis, c'est pas nécessairement qu'on pral joindre reviews disponible sur site yo. OK, ça si on a si gain reviews que gain sur site yo, OK, ou commander est-ce qu'on ka utiliser reviews yo. Ou commander est-ce qu'on ka utiliser reviews yo. C'est pas même bagaille al prendre reviews sur AliExpress parce que un on va joindre produit ça sur AliExpress. OK, ou capable éventuellement chercher pour si produit déjà sur Amazon, en pile là dans déjà vendre sur Amazon tout, ou capable utiliser extension ça qui relé review. OK, extension ça qui est le review, n'a pas c'est les mêmes utiliser sur site ça. OK, n'a pas c'est les mêmes utiliser là. OK, côté là, petit oh, ouais, moi tirer lui. Oh. Oh non, ça nous vient seulement Ali reviews. OK, pour site ça noter juste les quelques Ali reviews. OK, mais on capable utiliser review, OK, que moi utiliser son autre site qui passe ça. OK, on capable utiliser reviews, OK, review, OK, pour prendre review directement sur Amazon. OK, si même vous voulez prendre review sur Amazon. Ou capable utiliser review qui permet de prendre review sur non seulement AliExpress mais aussi Amazon, Etsy, DHgate. OK, ça me permet c'est Amazon non. OK, on va pas aller prendre toutes reviews. On va juste
prend revision, mettez, puis copy-paste, ok? Lio, ok? On pas besoin de mettre tout, et puis combiner avec bon review, t'as comme mauvais review, ok? Pour si ton capable paraître plus authentique, plus original. Et quand vous faites commencer, pas besoin de mettre 50, 60, 80 reviews sur une page, un produit. Mettons deux, mettons trois, ok? Maximum. Et puis combiner bon avec pas bon. Capable de mettre deux bons, une pas bon, ok? Capable de mettre une 5 étoiles, une 3 étoiles, ok? Une 5 étoiles, ou bien mettre 4, 5 étoiles, ou bien mettre, bah, on a une 2, ou bien, ouvrez bien agencé, mais pas le mettre d'un coup 50 combien reviews, 100 combien reviews, 1000 combien reviews, game on a quoi store, ok? T'as 1000 combien reviews, tout produit gagne 5 stars, alors que n'est pas pour même commencer jeune. Ok? Donc, ça a son problème lié, et vous voulez paraître plus authentique possible. Ok? Bien sûr, vous voulez gagner un review avec le temps, vous voulez pas gagner un review avec le temps, mais, vous capable en même temps tout utiliser des amis. Ok? 10 amis, ou yo, mon chien fait quand c'est business ça, et m'gagne un produit ça là, c'est jamais une intéressant, est-ce qu'on a bon quelques reviews, mon acheter, le bon review, là, c'est que produit gagne un authentique. Même lorsque après, oui, font 10 amis, hein, bah, on est, c'est, on s'en dit qu'il voulait supporter le business, qu'il va faire ça pour vous, ok? Donc, lâche ton produit quand même, et puis, lui-même, il quitte un review qui est authentique pour vous. D'accord? Donc, laisse ça, ça permet de get the ball rolling, ou commencer à faire bah, marcher, et puis, customer, au fur et à mesure que vous avez une souci, tout, et après que, ok, ou graduellement, commencer à soit plus reviews, ou commencer beaucoup plus authentique, tout, ou venir plus authentique dans les yeux, customer, ou dans les yeux potentiels acheteurs. Et nous devons partager l'article ensemble avec nous, comme je suis Roberto, qui parlait de importance reviews, ok, et dans l'infographie, ça, nous avons, ok, il dit que 9 sous chaque 10 customers, ils ont lu reviews avant d'acheter. Ok, 9 sous 10, ok, ça veut dire que 90% de monde lit reviews, yo. Ok. Si review est même authentique, 62% customer dit, 62% consommateur dit que ils n'ont pas acheté de yon brain qui censure reviews. Gede moun, par exemple, les moun qui te mauvais reviews sur li dit ou bien le caché. Ok? Il pas bon qu'on censure. Il préfère qu'on réponde à review. Il préfère qu'on dit yon bagay, que, ou excuse, ou dit customer, nous, I'm sorry, et moi, désolé, n'a fait mieux, nous espérons que nous ne va pas commettre ça encore, etc. D'accord? Donc, préfère qu'on ou présente yon apology ou dit customer que, ou aller en bas review ou répondre. Même lorsqu'il va review pas, ok? Ou bien, t'as une review de l'autre côté. Mais juste, ou fait de façon intelligente, ok? Ou utiliser stratégie ça. Pour paraître authentique. Pour qu'apparaître authentique. Ok? Toi, sous 4 customers qui acheté, dis parce que tu trust customer reviews, yo. Dans un moment où tu acheté. Qui côté customer yo li reviews yo en pile fois sur review platform qui gagne yo et puis en même temps sur ce site tout ça aller y aller sur site en premier et puis y aller sur review platform, OK? C'est une raison tout quelques en pile dropshipper qui commence à switch vers plateforme ça qui est le Trustpilot, Trustpilot. OK? Parce que lors sur Trustpilot customer capable quoi qualité review qui quitter sous lire. D'accord? En pile go brand dropshipping brand yo même juste switch sur plateforme ça. OK, ça va aller dire pour même supposé à l'autre ou que tu as le faire depuis qu'on y a parce que son bail qu'on doit faire pour business sport, OK, ou déjà commencé ou capable switch vers Trustpilot, OK? Et ça permet que mon know que review yo même assez très authentique et Trustpilot il fonctionne très bien très bien avec Shopify, OK? Parce que là dans Trustpilot on pas qu'à copier reviews mettre l'autre côté. Donc là ça capable des amours pour commencer acheter produits sur site ou OK pour supporter business ou et ça permet que capable beaucoup plus transparent et montrer plus authenticité dans review qui sur site toi. OK? OK et en plus, nous avons dit que nous avons des reviews, mais les statistiques ont montré que selon Global Index en 2019, presque 50% des gens qui sont sur Internet qui achètent sur Internet qui ont des reviews. Okay? Donc, ça, c'est un bail que nous avons supposé considérer en pile. Okay? Est-ce que les customers attendent que vous répondez? Plus que 50% des customers disent qu'ils attendent que vous répondez rapide avec reviews que vous quittez. OK? Et 97% moun ki achete ki li review de l'autre consommateur yo li review tout de business là c'est que si business ou quitte on réponse yo prend temps pour li et surtout sur bon business même lorsque bon business offline li montre que même le bon business qui a un local business ou un store ou un shop ou un petit boutique bon la caillou li vraiment important que ou mande moun pour quitter review pour surtout sur bon page Facebook ou gérer OK toujours mande moun pour quitter review pour OK. Yep. Donc, ça nous va aller sur, je juste les montrer nous éléments qui sont importants dans l'article Oberlo, hein. OK? Pour l'article Oberlo, hein. Et si vous t'avez, OK? Si vous t'avez vraiment maîtrisé ça que les buy customer, yo, puis mon expérience qui est impossible, OK? Même moi, commando, aller sur cxl.com. Cxl.com sont plateformes côté que négio focus sur ça, les
customer experience. OK? C'est un bagage que en pile monde de a même pas maîtriser. OK? Et on capable commencer avec 7 jours, tester avec 7 jours pour 1 dollar. Ou t'as devenu bon en marketing, tout bon, en sacré marketing, c'est-à-dire maîtriser, pas seulement marketing digital. Parce que là, on dit marketing digital, c'est simplement marketing appliqué au domaine digital. Et dans le domaine digital, là, on a des outils qui permettent de faire un célibat beaucoup plus efficacement au lieu de faire l'offline. Par exemple, si on devait faire une enquête, si on devait faire une étude de marché, dans le marketing traditionnel, là, on a supposé faire focus group, m'a réuni mon côté, m'a bah, manger, puis m'a posé aux questions, m'a tester produit, m'a utiliser différents points pour m'a tester et un produit, m'a utiliser différents points pour me recevoir monde qui a testé produit hein, si c'est un bagage manger, si c'est un produit pour me mettre sous peau, si c'est parfum, et quel que soit ça pour tout à fait, on t'a supposé gagner on certaine logistique pour capable tester les pour capable joindre et feedback customer avant même qu'on lance produit là. Jodi hein, avec une plateforme d'un coup SurveyMonkey, on capable faire une enquête online, OK, on pose quelques questions et puis va bâton on capable voir mon capable juste remplir un formulaire pour vous enchaîner échantillon produit pour lui. OK, donc c'est même bagage là, mais c'est marketing appliqué au domaine digital, pas rien changer. OK, c'est exactement même bagage là, sauf que ou adopter outils digital qui dans monde pour capable joindre même résultat côté gain avant yo. Et sur une raison que me toujours qui toujours ça rentre gens déranger que lorsque moi mon a présenté marketing digital comme si c'est un domaine qui est totalement nouveau, il pas rien nouveau là-dedans pratiquement. Ça nouveau là-dedans c'est technicité, partie technique qui d'elle. OK, technicité ça que il prend temps pour monde maîtriser ou pas tout le monde qui le veut avec ordinateur dans main, c'est pas tout le monde qui a aptitude pour capable utiliser une série de software, il prend temps. OK, et pour ça YouTube était puis bon amour. YouTube était puis bon amour. Vous voulez connaître comment pour maîtriser WordPress, YouTube était puis bon amour. Vous voulez connaître comment pour utiliser par exemple et Jump Pages. OK, YouTube était puis bon amour. Vous voulez comment connaître comment pour prendre reviews sur Amazon, mettez directement sous site ou à partir de review, YouTube était puis bon amour. Je ne toute réponse à YouTube. Mais ça qui est plus important, c'est principe yo qui pas changer, principe qui fait que business, qui fait que marketing fonctionne. Eh ben si vous avez une plateforme, je ne pas travailler pour Negio, je suis juste même satisfait de ça, m'apprendre à partir de Negio, je partage l'ensemble avec nous directement, guys. OK, on va commencer pour 7 jours à 1 dollar et garder tout ce qu'on apprend. OK, garder tout ce qu'on apprend. Conversion optimization, digital analytics. Là, on a pas chez digital analytics. Vous avez 56 heures pour passer là pour venir expert dans sacré les digital analytics. Comprendre Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Excel. Comment vous pouvez faire utiliser Excel pour jouer une data sur website ou? Sans qu'on pas obligé à utiliser un software. Vous pouvez créer un propre sheet Excel pour capter data, analytics API. OK? Cours à formation, ça a 80 heures de temps là-dedans. OK? Pour comprendre optimization, conversion research, testing strategies, CRO. OK? Comment pour gérer customer relationship? OK? Neuromarketing. Comment pour comprendre persuasion, persuasion? OK? Comment pour persuader mon behavioral psychology? Qui sont bah, qui extraordinaires. Si vous voulez venir bon en Facebook, si vous voulez venir un bon marketeur, faut que vous fassiez dans sa relais comprendre le comportement moun online. Behavioral psychology. Comment pour anticiper ça, moun bral fait? Ou bral, ou capable 37 heures de temps là. En d'autres mots, ou voulez juste tester pour un dollar. Ou choisir n'importe quoi, ça ou doit mettre l'heure là-dedans pour faire. Ok? Sous gain l'heure. Sous dire que ou bral mettre pendant 7 jours qu'on gagne à 1 dollar. Et vous divisez le combien heures de temps vous mettez là pour m'apprendre ça. Ça va falloir mettre 8 heures de temps là-dedans. Ça va être évident. OK, ça veut dire que vous tapez chita devant ordinateur parce que 10 heures de temps par jour, plus que 10 heures de temps par jour. Mais là, ça va son bail qu'on a fait. Et nous avons commandé vraiment, comprendre psychologie, son bail qui est vraiment important dans le marketing. OK? Technical content marketing. OK? Si vous avez besoin d'avoir une fois, comprendre ça, les technical content, comment pour générer content, comment pour ébailler plus et maximiser contenu qu'on gagne dans le monde, pour redistribuer contenu, pour maximiser présence sur online. Tout ça, c'est des bails qu'on est capable d'apprendre. So, et ça qui est intéressant avec plateforme, ça, tout, c'est que expert que yo gen yo pas nécessairement de moun qui yo parle en pile l'industrie digital marketing nan nan ça prele moun yo rele entre guillemets gourou yo, mais c'est des moun qui vraiment bon dans sa affaire. OK, vraiment bon dans sa affaire, et ça va permettre qu'on fait à partir de plateforme yo hein, ça qui permet de comprendre différentes techniques qu'on supposé maîtriser dans sa créer le conversion funnel. Sou t'a vraiment vignon expert dans sa créer le funnel, dans conversion funnel, mais tout bagay li mande pou maîtriser, mais tout bagay que ce bagay ça mande pou maîtriser, ou pas besoin bon dans tout. Ou supposé qu'on assez dans chaque ladder. Ou pas besoin d'un expert dans tout. Ou qu'a choisi une ladder pour dire qu'on expert là-dedans. M'a vu un expert dans storytelling, m'a vu un expert dans Facebook ads, m'a vu un expert dans Google ads. Et tout ça, n'a pas là, c'est dans top of the funnel.
Et puis, au fur et à mesure, on va à bottom of the funnel là, on va avoir quelques skills qu'on gagne pour maîtriser plus au fur et à mesure qu'on va descendre dans le funnel là. Et montre chaque discipline fondation, on a des bagages qui fondamental qu'on suppose maîtriser. Par exemple, fondamental, on suppose qu'on sait storytelling, on suppose comprendre que ça crée le branding, que c'est une bagage que me focus sur une formation, ou que ça crée le customer retention, ou que ça crée le product marketing, life cycle emails, email marketing, ok, et comment pour analyser demand generation, et puis, ou gagne, qui chale nous va utiliser pour avoir une attention moun, pour avoir une attention pour venir moun dans top, dans funnel loin. Google Ads, bien sûr, Facebook Ads, LinkedIn Ads, SEO, YouTube Ads, content marketing, email, ok, social media, referral marketing. C'est principalement grand plateforme ça qui utilise pour gérer marketing. Parce que, lors comprendre marketing, digital marketing, ou est que, c'est plus bonne façon pour n'importe monde qui veut l'entable pour générer consistent revenu online, c'est apprendre à faire $1 tous les $2. OK? Parce que pour moi même, il était évident que plus bonne façon pour avoir un business qui a généré revenu pour de façon constante online, c'est lorsqu'on est capable de faire marketing, mais marketing est profitable. Le marketing n'est pas profitable, on va avoir un business. Et on a perdu. Je ne sais pas si dashboard ou qui quantité de chiffres qu'il a dedans. I don't care. Mais je connais comment quoi dans la poche. Je ne sais pas qui est-ce qui est dans le dashboard. Ce qui est important, c'est combien de copies dans la poche. OK? Donc, c'est une raison que vous supposez maîtriser skill ça. OK? Dans la formation, bien sûr, nous parlons de Google Ads, nous parlons de Facebook Ads, nous parlons de LinkedIn Ads. Si vous comprenez Google Ads ou vous comprenez YouTube Ads, OK? Ce n'est pas trop difficile parce que c'est exactement la même plateforme que nous utilisons pour tous les deux. OK? Pour faire Google Ads ou bien pour faire YouTube Ads, c'est exactement la même balance, sauf que YouTube, c'est vidéo. OK? Nous parlons de content marketing, nous parlons de email marketing, OK? Donc, ou capable ou fondamental ça, après ça au fur et à mesure là reste pour comprendre ça tout bagage quoi avancer pour au fur et à mesure descendre dans fond dans différents bagages pour comprendre. OK? Ou pas obligé venir expert dans tout encore une fois, ou juste besoin maîtriser youn là, ou juste besoin choisir youn pour venir expert là-dedans. Et si ça c'est passion, si ça c'est passion, eh bien autant que faire se peut, eh bien tout mettons à venir expert dans domaine ça. OK, ou vin on expert dans domaine ça et plateforme ça m'était quoi que c'est une plateforme que pour moun qui gen temps, sou gen temps aujourd'hui là ou en quarantaine ou gen temps ou t'a vle passer ou gon dola ou t'a vle 27 jours là ou dit que m'a bien choisi youn dans domaine ça, youn dans formation ça, vin expert là-dedans. Ou ka faire ça dans semaine. Ou ka faire ça pratiquement dans semaine. OK, m'juste montrer nous là, pas gen pi bon plateforme qui enseigne conversion que plateforme ça. OK, I don't care quantité goût gen dehors, OK. Pas rien plus plateforme qui fait ça dans ça. Si vous voulez vraiment bien bon en marketing, vous recommandez de next ça. Et si vous voulez prendre formation, il y a tellement de ressources. Le blogueur a tellement de ressources, mais juste souscrire à blogueur et puis commencer à lire. OK, commencer. Il y a conversion rate optimization guide, conversion optimization guide, click through rate guide, foundations, bounce rate guide, foundations. Il y a tellement de choses pour apprendre là directement dans le blog, yo, ok, marketing resources, vous avez aussi de ressources que vous avez pour analytics, marketing, comprendre aussi de bagailles. Par exemple, sur Facebook Ads, pour comprendre aussi le bagage, il y a un competitive edge. Il y a un competitive edge, un avantage compétitif extraordinaire par rapport avec compétition. OK? So, si vous avez fait ça, yeah, définitif. OK? Formation, ça a même 6 heures 30 minutes. OK? Qui peut mettre vos vignons à encore maîtriser plus bien Facebook Ads si vous-même ouvrez. OK? Donc, monsieur enseigné ça, le Belt Method. Non, bah, ça, OK? Donc, c'est un pile théorie, c'est pas qui théorie, mais fondationnel, là, ou fondation, c'est qui fondation, elle est important. OK? Stratégie à technique, yo, ou bien, au fur et à mesure. Stratégie à technique, yo, qu'a apprenne, yo, sur YouTube Ads, ou qu'a apprenne, yo, dans n'importe formation, donc, ou dans formation, pas, mais dans une stratégie technique que montrer, qui va nécessairement dans l'autre formation, éventuellement, OK? Toute formation, pas, bah, exactement. Tout, on contenu qui, à 100%, nous, qui est à 100% complet. Mais l'idée, hein, c'est que chaque formation, on a une chance pour accéder ensemble avec lui, ou font sorte qu'on maîtrise lui, non? Contenu li nan 100% contenu. OK? C'est ça qui est important. OK? C'est ça qui est naturel, qui est normalement beaucoup plus important. All right? Mais, gen bon fondation, son bagage ba un avantage extraordinaire sur compétition. OK? So, nous parlons de expérience là. Pour que ça, pour supposer gain reviews, comprendre l'expérience utilisateur. Et en termes d'optimisation, bien sûr, OK? Une fois que vous gain reviews, vous êtes capable d'utiliser, nous parlons de reviews, nous parlons de Ali reviews. OK? Donc, une fois que vous faites tout bas, ça, vous gain site tout. Ou gen site nan ki setup, ou gen supplier, on y a, on va le supposer mette, commencer mette ta produit sous site, OK? Mais bien avant fait ça, moi, recommande aller sur Google Search Console, vérifier site, OK? Ou juste besoin d'aller sur Search Console, juste cacher sur Google Search Console, ou créer, ou bon Gmail account, c'est ça seulement besoin. On Gmail account pour qu'on peut dédier seulement pour business ou, et là, la permettre pour capable, commencer à voir information bas Google pour voir que site existe et ou capable soumettre ça, les site map là.
Sitemap là, c'est ça qui permet que vous gagnez toute information sur le site. Par exemple, si vous allez là, vous cherchez le site moyen, vous pouvez chercher Sitemap. OK, tout site qui est Sitemap. OK, et depuis c'est Shopify, vous pouvez juste venir taper Sitemap XML. OK, loz.com Sitemap XML. OK. Et puis, il dit exactement mes différentes informations que vous voyez par Google. Vous voyez informations qui par rapport avec produits sur le site ou yo, OK. Vous voyez informations par rapport avec pages qui sur le site là, par rapport avec différentes collections, des catégories qui gagnent, et puis en même temps tout blog. C'est une raison que vous supposez qu'on compte une stratégie pour le site ou parce que automatiquement Google lui crawle page. C'est-à-dire que Google lui-même lui aller, lui visiter page, lui gagne toutes les informations là-dedans et le chercher. Connaît comment me capable permettre que monde découvre contenu ça qui plus bon façon pour me capable permettre aux jeunes visibilité dépendamment de qui genre même pour optimiser page ou pour différents mots clés c'est ça Google besoin connaît et c'est là SEO lui-même les clés OK c'est là SEO lui-même les clés et sous base SEO n'a pas rappelé nous que dans semaine qui passé yo moi t'ai fait une formation c'est dans les sous channel moi hein OK moi t'ai fait une formation quand les sous channel joue arriver on vient aller sous channel personnel pas maintenant c'est exactement même bail là nous t'ai fait une formation sur organic traffic mastery qui sont série côté nous t'ai montré exactement tout bagage ça donc pas besoin de retourner rentrer dans détail bagage ça encore OK donc n'a pas que ça nous t'ai fait hein, c'est juste un suivi côté nous là sont suivi si t'es pas vous êtes suivre série ça et puis vous regardez série ça et pour regarder série ça encore c'est comme sur une formation qui est pratiquement complète dans mon donc c'est pratiquement gratuit OK at least ou gagner grande ligne at least ou connaît qui sont à faire ou connaît qui côté pour quand on commencer ou connaît qui côté pour aller donc capable juste retourner dans organic traffic mastery hein, et pour capable maîtriser encore ça les mêmes piliers et comprendre tout ça l'important pour buy Sitemap et en même temps tout comment pour optimiser chaque page qui sous chaque page produit qui sous site on a dit que m'a prend produit ça là hein, OK, ma pour pas, j'ai dit me va l'optimiser li. Donc rappelez-nous partie qui est vraiment plus important yo. OK, nous te dit nous déjà c'est titre là avec SEO description là et en même temps tout meta tag yo. OK, nous t'explique ça très très bien dans série là. OK, dans série organic traffic là. Donc ou bien titre là qui va supposé dépasser 70 caractères, ou bien image qu'on supposé assurer que en dans image ou bien ça relé edit alt text là voilà que mettez juste simplement titre produit en janvier, mais juste mettez là pour mot clair même li paraît et ou voulez faire ça pour toute image net. OK, et en même temps tout voulez partie edit SEO yo hein, côté que ou gain 70 caractères là ou voulez mettre mot clé principal là avant OK et puis ou voulez gain URL là dans URL là ou voulez gagner mot clé principal yo et vous voulez gain mot clé tout dans premier mot qui dans description même genre nous même nouvel là all right so retourner encore sur série ça et ça permet que vous capable gagner ça beaucoup plus en détail mais et simplement dans cas qui gain rapport avec high-ticket dropshipping n'oubliez pas que vous pas représenter un série de brand OK de brand qui déjà éventuellement vendre avec l'autre supplier et pas vous voulez pour trop à changer nom produit OK donc mes formules même vous t'a supposé utiliser OK ou gain nom produit OK brand name product type OK ou gain nom produit on commence ensemble avec lui OK ou gain couleur produit d'accord s'il gain couleur ou gain size là après vous mettez size là s'il gain si vous capable mettre size après ça c'est une version par exemple une version 11 bah qu'on est une version bah qu'on est bah non version on met une version c'est un style particulier ou mettez non style là OK en date que par exemple si nous rappelons nous on va sur VPS là là on va sur VPN on va montrer nous on nous juste utiliser là m'a utiliser un miroir qui est I search from pour m'a simuler que m'a fait recherche États-Unis OK m'a dit m'a venir là sur United States OK et puis m'a aller là en English. OK, et puis maintenant, je cherche Floor Lamp. OK, donc, on peut que par exemple, si nous regardons l'exemple ça qui là, on peut jamais se le même faire. Il y a pour l'ASCII, ça c'est brand là, 79 pouces. OK, modèle là qui est modèle lié. Et m'explique que nous voyons ça là, bon, mais c'est zoom ça, parce que nous avons déjà fait mes pages là. All right, OK. Fais ça, on descend ça. OK donc n'a pas là monsieur gagne pour l'ASCII 79 pouces arched floor lamp OK bien sûr il y a mon client là n'a pas comment il mettre mon client stratégiquement route studio peut-être ça c'est modèle là shade color il mettait couleur et puis il dit ça c'est style là antique brass OK deux points antique brass exactement formule que nous nous montre tout à l'heure OK si nous venons là nous c'est exactement formule que nous montre là OK donc et on toujours que pas ça yo spotlight floor lamp monsieur gain floor lamp là OK nous gain black floor lamp et gain mon floor lamp là marble base OK il dit comment lié article here on modern lighting OK donc juste respecter formule que nous montrer nous là OK OK non produit hein OK couleur li sous capable mettre li size là sous capable mettre li qui version produit hein et puis style là
All right? Ça, c'est vraiment important. Et, bon, description, hein, mon formulaire va juste utiliser pour faire description produit. Exclusive offer, order, et vous mettez nos produits là, boom, 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 and you'll get free shipping and insurance, plus, et vous mettez your unique selling proposition, OK? Plus, bah, on a un bonus, on va comme ça, offer expires soon, order now, OK? Ça, vous pouvez mettre ça dans la description. Hein. Bien sûr, là, mettez là nos produits, vous pouvez mot-clé principal là, il est capable là, bien sûr, dans la description. Hein. Et vous voulez qu'un bill, pas plus que 160 caractères. Donc, ça, c'est ça que nous recommandons. Nous. Et une fois que nous finissons ça, donc, ou fin, et mettez sitou sur Google Search Console, ok? Pour qu'on fait ça, ou juste besoin de venir là, ou mettez notre domaine là, après notre domaine là, et vous allez demander pour upload yon HTML file sur site, ou sous bagage, c'est avec et serveur là, ou grave juste prend ça là, qui est HTML tag là, ou copier HTML tag là, boum, ok? Nous montrons ça en de formation aussi, mais pour moun qui pas dans formation, on a juste montré là, ou allez dans le côté qui dit online store là, ok? Ou allez côté qui dit thème là, l'on vient là dans online store, right. Ou allez là et vous venez là, vous cliquez dans Actions et puis vous faites Edit Code. Ou allez éditer code là. Et vous venez là dans Theme Liquid. Et puis vous juste mettez là, ok? Vous juste mettez code là. En bas, première partie qui dit Headline là. Et vous juste venez là, vous mettez les pour copier, paste, bâton, vous mettez code là. Ok, on va supposer que tu as une là déjà avant qu'il parle. Bon, on juste mettez lui pour faire sa vérification devant nous. Et pour finir, donc fin fait ça, on va supposer descendre de côté pour faire save. Moi, c'est quoi? Côté save là, là. Mon bagay. Alright. Est-ce que nous avons save là? Ça me bombarde sur page. Anyway, on va supposer save mon côté. Moi, ça passe là. Theme Liquid. OK. Et là, on fait back. On va retourner sur Edit Code là pour moi, c'est là. Ça nous met un. Excusez-moi, à un petit temps. OK, donc on regarde ces codes là. Donc juste mettre là encore. On comprend si on peut marquer save. Donc vous supposé mettre là save li et puis automatiquement on tourne là. OK, et vous faire verify et puis d'abord aussi vérifier est-ce que code là est sur site ou et c'est toi qui le vérifie, vous faites done et puis voilà, bâton chocolat. OK. Donc une fois qu'on fait ça, qu'on a ou fait moi recommande tout faire sur Bing Webmaster Tools. Juste chercher Bing Webmaster et ça qui est intéressant avec Bing Webmaster Tools, OK? Parler que Bing pratiquement c'est Microsoft qu'on y a tout. D'accord, c'est Microsoft et puis en même temps c'est Google et je partage les data. Donc ou juste venir là dire import your sites from Google Search Console. OK, donc on va juste importer site tout de ce qu'on gagne sur Google Search Console, juste venir là ou faire import, boom, il va le connecter avec account Google ou et puis automatiquement la vérifier site tout sur Google Webmaster. On va besoin faire rien encore. OK, si vous voulez faire partie technique qui est difficile là, eh ben ouais, pas qui difficile, qui plus bas, qui plus technique là, eh ben juste mettez URL site dans là, fait add et puis le balement de exactement même bah, vous mettez un code, bagaille ça, donc on va juste venir là, mettez site là. OK. D'accord. Vous faites add. Add, et puis le balement de vous faire exactement même bail que Google Webmaster déjà m'a fait, et ton bail sur site tout, bla bla bla. OK, l'abdou add verify, ouais, nous c'est exactement même bail, HTML mette tag, OK, on va obligé faire ça, ou juste vous faire import directement à partir de account Google ou un, et puis la connecter automatiquement, et puis bâton chocolat. Une fois qu'on finit ça, vous besoin faire ça pour Google Analytics tout, OK, Google Analytics, ou venir sur Google Analytics, créer un compte, OK, et ou créer une propriété sur Google Analytics, OK, on venir là, ou elle crée une propriété. Dans le premier bail, on va demander pour créer une propriété. On crée une propriété. D'accord. On mettait c'est tout. Voilà.
OK? Et on dit ça, on peut commencer ça, on a le zan là, OK? Et pour toute data, on va créer propriété. Une fois qu'on finit créer propriété, on va venir là pour capable faire, mettre tout bagage qui est rapport avec page Google Analytics. Donc, on vient là, OK? Dans admin, OK? Et puis, on va mettre tout bagage qui est rapport avec page là, OK? Ça qui est important surtout, OK? L'offre Google Analytics, OK? On a besoin d'entrer dans la partie technique là, ou qu'à YouTube ça, ou qu'à juste son recherche sur YouTube. C'est e-commerce settings là, OK? Ça est vraiment important. Donc, juste pour finir là, assure que vous avez enable e-commerce qui on, enable enhanced e-commerce reporting qui on, et en même temps tout en dans à côté Shopify, OK? Là en dans à côté Shopify, maman les dans en qui côté encore. Dans preferences. OK? Là venir là en à côté Shopify, assure au côté qui dit Google Analytics là, ouais, automatiquement mettre code Google Analytics on l'apparaît là et puis on activer ça, OK? Used Enhanced E-commerce, OK? Vous voulez mettre ça là pour faire Used Enhanced E-commerce et puis bata chocolat, donc ou pareil qu'on y a, ou bien qui connecte avec toute plateforme ça, toute plateforme ça connecté qui va permettre que vous commencez à voir data pour dire Google, pour dire tout l'autre moteur de recherche, mais existe, site moins existe, comment c'est crawl, site moins, comment c'est voir robot, comment c'est voir robot, nous pouvons voir site moins, qui mot clique, que même moins optimiser pour lui, pour nous commencer à positionner moins. Une fois que nous finissons faire ça, on a juste besoin d'aller pour créer Google Merchant Center, ou aller sur merchant.google.com. OK, et on va créer account Google Merchant Center ou, et pour capable voir directement merchant information site ou by Google Merchant Center ou capable utiliser directement application Google là, OK, qui 100% gratuit, qui que yo optimisé récemment là pour capable fonctionner plus bien avec Shopify, OK, ou capable utiliser ou capable utiliser li pour capable voir produit by Google ou bien tout ou capable utiliser l'autre application ça que moins utiliser qui payant, OK, ou pas nécessairement obligé d'utiliser application qui payant, ou capable juste utiliser application ça qui relé Feed for Google Shopping. OK, ça c'est l'application ça que nous utilisons pour nous capables et pour pouvoir voir information ça directement by Google Merchant Center. Ça sont l'autre compte, donc je suis allé sous. On a supposé connecter ça. À quoi ça nous pas utiliser encore? Tu as juste besoin de connecter sur l'autre compte là. Et donc, ou juste venir là sur Google Merchant Center et puis ou même ou mettez toute information là. Et une fois qu'on finit gagner à Google Merchant Center, avant de faire ads, bien sûr, on va besoin de gagner un account Google Ads, OK, ou juste besoin aller sur adsgoogle.com depuis ou gagner yon account Google automatiquement get a gon account Google Ads et puis ou connecter tout bagay chaque plateforme ça yon avec l'autre, OK, tout détail ça yon en dans formation ou, OK, si ça allait m'y intéresser, sinon OK, ou capable juste ou même commencer faire recherche directement sur YouTube sur domaine ça comment pour connecter différentes plateformes ça ensemble et puis optimiser pour capable ba ou puis bon résultat, OK, et à partir de là ou capable commencer pour rouler première campagne campagne ads, OK, sou pa vle utiliser j'en te dit alors parce que sou pa vle utiliser feed for Google Shopping non qui coûte $5 par mois ou capable juste utiliser Google et ou capable juste utiliser Google feed juste aller sur Google avec ça fait Google feed Shopify, OK, et puis ou va joindre application Google feed là le grand application que Google Shop feed for Google Shopping feed ou quoi ça feed for Google Shopping. OK, ça c'est ça que nous utilisons, hein, qui est très populaire, OK, n'a pas que $5 par mois et bon 21 jours gratis ou vous pouvez juste utiliser par Google là, OK, qui optimisé récemment là, soit vous payer pour lui, soit vous payer pour lui, vous pouvez juste utiliser un lot par Google là. Google fait une directement, c'est ça, Google Shopping Feed. Voilà, vous pouvez juste utiliser products for Google Feed for Google Shopping, n'a pas oh, ça allait même les payer. Hein. Par Google là gratis, checkez par Google là guys, OK. Comme checker là pour moi Google feed. Mal écrit feed là. OK, mais Google Channel. OK, on y a le Google Channel. OK, pour Shopify. OK, donc on va que c'était mon utiliser. D'accord, gratuit pour utiliser. Et il y a juste fait toute marche à suivre ensemble avec vous. Et assurer que tout va. Une fois qu'on gagne, il y a fait marche à suivre ensemble avec vous. Et puis c'est juste suivre pas à pas pour pouvoir connecter différentes plateformes. Et puis voilà, on y a préparé, on y a. Ou connecter avec Google Ads, ou connecter avec Google Merchant Center, ou connecter avec Google Analytics, ou connecter avec Google Search Console, ou connecter avec Bing Webmaster, ou tools qu'on a ou prêt pour capable rouler ads sur différentes plateformes. Pour qui ça, on va parler de Microsoft, de Bing Ads en information, parce que c'est exactement même barre avec Google Ads. Sous maîtriser Google Ads, c'est exactement même plateforme. Là. Pas grand rien qui est différent. OK? Pas grand rien qui est différent. N'est-ce que juste font copy-paste de ça Google fait? Il va faire rien qui est différent. Si on entre dans la plateforme Google Ads, on entre avec la plateforme Google Bing Ads, on va comparer tous les deux, on va exactement même bail. C'est simplement l'interface qui est différente, on va déjà le présenter, etc. OK? Mais il n'y a rien qui est différent encore. OK? OK? So,
ou capable juste faire ça directement avec vous, ou capable commencer tout après les Bing Ads, qui c'est une opportunité extraordinaire parce que majorité monde pas utiliser. Je juste pense que Bing baba en pile trafic, mais cependant, il y a 20% monde toujours qui toujours gagne ordinateur, automatiquement leur gagne ordinateur, c'est Bing qui est navigateur par défaut. Le gagne monde qui gagne ordinateur jusqu'à présent, c'est Bing qui ordinateur qui navigateur par défaut. Je pas même penser changer parce que juste permettre de faire ça pour vous faire. Et ça qui est intéressant, l'on prend Bing avec Yahoo, je partage exactement même algorithme. C'est-à-dire, soit pour les ads sur Bing, ou automatiquement une visibilité sur Yahoo en même temps. C'est-à-dire, soit pour les ads sur Bing, ou automatiquement une visibilité sur Yahoo. Donc, par exemple, quelle raison pour chercher pour maîtriser Yahoo ads, on ne va pas parler de Yahoo ads. Wow, guys, BS. On ne va pas besoin de courir pour ça, comme si on a courir de chaque barre qui a brillé. On va parler de ça, on va parler de ça. Non. Moi, juste dis-nous que j'en bats rien, et puis juste focus, maîtriser Google Ads, et pour maîtriser Google Ads, automatiquement, Bing Ads, on va aller sur la plateforme, non, on va pas perdu, on va se sentir comme si la carotte est, faire sur notre plateforme qui est différente. Au contraire, nous voyons que Bing Ads, plateforme par avoir beaucoup plus intuitif que Google Ads, ok? Même lorsque Google a fait un peu l'effort pour copier un peu dans sa Bing fait, mais il y a un combat qui est vraiment simple à utiliser, tout bas est clair, et puis couleur utilisée, tout vraiment fait belle, vraiment font belle impression sous yeux, moun. Ok? Personnellement, ça c'est pour moi-même qui remet le conseil. Mais sous maîtriser Google Ads, on va quand même qu'il y a une chercher maîtriser, ok? Bing Ads, qui est différent, pas rien qui est différent. Ok, on va faire exactement, on va faire shopping campaign sur Bing, même si on fait comme shopping campaign sur Google Ads, on va faire search campaign sur Bing, même si on fait search campaign sur Google Ads, ok, on va faire display campaign sur Bing, même si on fait display campaign avec Google Ads, ok, c'est la différence que Bing gagne, c'est que Bing, il va avoir une plateforme vidéo, même si avec YouTube, que YouTube, même parce que Google va pouvoir souffler faire ads vidéo, donc on laisse ça au même utiliser YouTube Ads, ok, et YouTube Ads, c'est exactement la même plateforme Google Ads, hein? Sauf que pour les campagnes, ça, on juste choisit comme objectif vidéo. Et puis voilà, ok, ou juste choisir comme objectif campagne, visibilité pour vidéo, et puis voilà, c'est différent, juste vraiment le keyword, etc. Sur quelques channels qu'on doit apparaître sur yo, quelques channels qu'on doit target, etc. Même genre, ou t'es capable de faire là avec Facebook Ads, ok? Donc voilà, guys, et en grosso modo, c'est ça lié pour série ça, high ticket shipping, drop shipping, non? Ok, ça qui peut-être partie qui pi important là-dedans, c'est joindre supplier pour commencer à frapper ensemble avec lui. Ok, c'est joindre supplier pour commencer à frapper ensemble avec eux. C'est lui-même qui beaucoup plus important. Ok, et dès que joindre supplier qui dit oui, qui est prêt pour commencer à faire business ensemble avec vous, eh bien, l'essentiel c'est commencer à frapper. Ok, c'est ça qui est important, ça qui est intéressant avec business. Ça, on va obliger à vendre des milliers d'unités par jour pour capable faire un petit code. Ok, ou capable vendre une, ou font $60 sur, ou font $50 sur, ou font $100 sur lui. Ok, et en date de quoi font $100 sur un produit ou vendre 30 par mois, ou vendre une chaque jour. Donc, vous faites $3,000 profit. Si vous avez $60 par, $60 par mois, vous faites 22 pas seulement par jour ou bien passé. OK? Donc, l'essentiel, c'est la loi du, comment nous avons dit, c'est la loi de Pareto, que nous avons en pile. Qui peut quitter par simple, less is more. OK? Nous avons ça en pile, less is more. Moins vous faites, mais c'est plus résultat que le bon sur le long terme. Il y a beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus performant. All right? So, j'espère que ça, son bail qui est capable d'aider nous comprendre. Principe ça relève high ticket dropshipping là qui va gagner de vraiment compliqué là-dedans partie technique là ou bien jouer le supplier yo c'est peut-être c'est partie qu'on devrait jouer plus temps par exemple si même on va aller faire website le pas de partie technique là, on va aller faire pour contour là après on va faire pour ok ça peut nous gagner du temps mais si vous voulez faire expérience à maîtriser là ben le plus tard que faire ce peut juste faire nous-mêmes ok et l'information nous montre pas à pas comment on pourrait faire ça comment pour utiliser Jumpages ou t'avais utilisé si on avait utilisé Jumpages il y a l'autre plateforme qui dit bon marché que Jumpages mais c'est pratiquement même méthode même principe là ok dès que vous maîtrisez une on va utiliser l'autre là si vous voulez aller avec WooCommerce ou qu'on va utiliser WooCommerce parce que review plateforme review que maintenant elle fonctionne avec WooCommerce tout ou qu'on va utiliser les tout parce que WooCommerce ça fonctionne très bien tout pour genre de modèle business ça va être un bon template. On l'autre plateforme qui est intéressante, c'est Magento. Magento qui est beaucoup plus fiché que Shopify. Ok, mais on va juste aller avec WooCommerce, ou aller avec un bail qui est gratis et vous commencez ensemble avec lui. On a un bon template qui fait de store, pas aller General Store. Ok, ça seulement dit nous, pas aller dans le store que tu vas ou vaille que vaille de tout côté. D'accord? Pas aller vaille que vaille. Je n'ai pas monde qui fait, qui suit la méthode là, et là, je dis que je n'ai 1000 combien de visites, il va nous gagner un produit. So, on dit, ouais, ok, parce que même les stores là, sont le store général là, le fait. OK, là, mettons paquet de produits. OK, c'est pas ça qui est important. Niche down, focus sur niche en particulier et puis aller ensemble avec les vins. Positionnons nos niches. Parce que si une bagaille qui fait modèle high ticket dans le marché, c'est que les customers viennent sur site ou les sentent que, OK, ou camper pour un bagaille. Ou, parce que site ça, c'est furniture. Site ça, c'est lumière. Site ça, ils vendent tapis. Site ça, ils vendent rideau. Site ça, ils vendent tableau. OK, ils focus son côté. Ou quand toujours élargir au fur et à mesure que Brandon la prend valeur, au fur et à mesure que mon apprend, mais comment son côté? OK, pas essayer à disperser trop.
Donc, par ici, il y a 10 personnes, toi. OK? Donc, ça, c'est ça. Et si, bien sûr, formation nous, elle est intéressée, pas bien que nous avons coupon, 50% coupon sur formation, avec coupon, bam, 50 moins. Quelque soit formation, nous, que c'est Facebook, que c'est dropshipping, non, qu'on veut en même temps tout rentrer avec Marketify, qui c'est plateforme, côté que nous baillons, un produit par jour, nous essayons de faire avec un produit par jour que nous sélectionnons manuellement. Les plus fonctionnés, Marketify, pour les gens qui veulent aller tester avec Google Ads, ce n'est pas un bar qui va marcher trop avec high ticket dropshipping. Okay, c'est plus les gens qui veulent tester des produits qui peuvent saturer dans le marketplace, là, mais qui gagnent une belle audience qui est capable de jouer. Okay, c'est-à-dire que qui gagne huge acceptation. OK, pour gagner huge acceptation, OK? On a une belle audience qui a adopté et pour gagner même intéressant et les nouveaux les présenter un excellent USP, unique selling proposition. Ils ont une proposition de valeur qui est unique et en même temps tout, ils ont une belle audience qui est éventuellement capable d'exposer produit ça. Donc c'est combinaison ça nous fait qui nous mettez produit ça sur Marketify pour même. D'accord? Si ça intéresse vous capable faire ça, vous capable aller pour capable profiter coupon qui a fini bien sûr 31 mars à minuit. OK, 31 mars à minuit, discount là même l'a fini pour période ça, ok, et éventuellement nous allons rentrer dans la ensemble avec lui encore. Bon, la finie quand même à minuit, ok. So, en regard, est-ce que tu as des questions dans la série ça? Hop, allez, ok. Ok, bien, Emmanuel, tu es là, content, Jen, content, wow, Jacques Juste qui était là, Aristophe, c'est tout côté, Aristophe, faut bon mon call, we brother. Michel, quand on a d'autres brother, Camille, j'aime pas qu'on ait d'acquis sorti à combien, pas qu'on ait qui s'acquit à combien, pas fait store pour monde si c'est sorti demandé. Et dire lui, Charles, merci en pile. Eric, merci, brother, n'est qu'en forme. Comment avoir travaillé les pages dans les Gem Pages, Gem Pages, G-E-M-P-A-G-E-S, Gem Pages, bien l'autre, qui gagne qui est le Pagefly, qui m'a fait le mettre, toi. Page fly là, on va finir même pire mes jump pages là. Même lorsque jump pages là, on se casse plus cher. Ok, même pire mes page jump pages là. Ok. If I want to take formations, can you send me your email? Camille Jean, j'ai des formations directement sur page, je vais te brancher. Hein? À part de sur page où arriver, hein? J'ai des formations sur lui. Vous cabrez les directement, no problem whatsoever. Ok. Toujours avoir le bon pour nous répondre. Jean-Marie Bernard, merci en pile, frère Pam. Oh, ok. Salut au Jopoli. Julie, ça qui passe, sister. Lady Boss, content de vous. merci, Jen. Merci en pile, brother. Jacques Justice de University. merci. Jacques Justice, c'est parti travail qu'on fait dans la communauté à nous. Nous souhaitons en pile, monde comprenne ça et puis vous faites action. Yeah, nous souhaitons ça. Nous juste bas nos informations, guys. Nous juste souhaitons que nous passions à l'action. Nous pas passer à l'action pour nous. Malheureusement. Ok, c'est nous pour faire. Ok. Donc, je souhaite que nous passions à l'action. Ok, juste passe à l'action. Est-ce qu'on suppose utiliser un online bank account parce que l'on achète trop sur bank account physique, il est toujours bloqué contre là? Je pense que par là avec banque, explique ce qui sont fait. J'explique ce qui sont fait. Genre de compagnie, ça, genre de store, ça, en pile, il faut faire dropshipping pour bien sûr, il n'y a pas acheté produit, il va l'acheter. Pour dire qu'il y a un petit casse pour payer la pro. Ok? Donc, toujours expliquer, parler avec banque pour expliquer, mais quel business m'a fait, mais pour qui ça a besoin de transaction, donc pas bloqué. Ok? Je me dis, des problèmes avec banque ici, tout moi-même. Ok? Que on a tout bloqué 4 ans. Ok? Donc, je juste aller me dire, et pas de problème encore, et je me dis, limite que je vais utiliser chaque mois, je vais avoir une limite qui est plus haut que possible, même si je ne vais pas utiliser, je vais avoir une limite qui est plus haut possible. Je me juste dire, je vais mettre une limite. Je pas besoin de ça. Je me dis, mais est-ce que je prends un risque là? Mais même, je dis, oui, pas de problème, je prends un risque là. OK, donc et voilà, parce que je connais seulement qu'à utiliser 4 mois, je vais utiliser, donc ce n'est pas un problème. OK. Edna Arsil, Guy, qui leur a posté contact IBEX Brésil là, pour les gens qui sont dropshipping. Je ne vais pas nous contacter dans longtemps, ça. Mais monsieur, pas de travail. Monsieur, pas de travail l'autre bois encore. Monsieur, pas de travail l'autre bois encore. Donc, monsieur, tu es supposé me contacter avec l'autre monde, il n'y a pas de contact là. Donc m'a aussi dans mes contacts là m'a fait ça que m'a fait ça que me fait nous joindre et en même temps tout monde m'a essayé joindre mon ça parce que j'ai l'autre en bas attendez monsieur pas travail l'autre bon encore OK m'a pas dans l'autre contact Angel Sterling live son médicament pour tout apprendre qui n'a comme merci brother merci apprécie ça
Pierre Lunes Liral, est-ce qu'on est obligé de faire programmation Python HTML pour le créer store là? Non, non, on va besoin de ça. On va start on buy from scratch. Commencer avec un template. Sous-jeune, commencer avec. On va déjà maîtriser Python. Sous-jeune, expérience, tant mieux. Sous-jeune, ça. OK, c'est très, très bien. OK, c'est très, très bien. Sous-jeune, expérience. Même si c'est dans le fait e-commerce, ça me fait commencer 2010. On a utilisé une plateforme qui était les Zenka. OK, par contre, Zenka existait toujours. Mais checkez-vous, moi. C'est peut-être comme ça que j'ai utilisé ZenCard. Je ne sais pas si j'ai toujours utilisé ZenCard. Ce n'est pas mal du tout. ZenCard, OK. On vient de changer le nom. Download ZenCard, ZenCard Support. Yeah. C'est toujours là, ZenCard. Les open source, les gratis. OK. Il y a même là. Toujours là. Pour charger. ZenCard là, toujours là. Et ça m'a utilisé, il n'y a pas de problème. Ouh, ça a un problème parce que il fait avec PHP et avec langage PHP, à chaque coup, ou vire, ou moins qu'on virgule, ou moins qu'on apostrophe, ou moins qu'on bagaille, c'est l'encrasé. Donc ça a fait que je me suis obligé à prendre le champ de bail, ça sur le volet, à force, parce que chaque coup, je me toujours fait backup, mettre site en backup pour ne pas perdre, pendant que je change le bagaille, mettre site en backup, conseil de bagaille. Et avec PHP en tout, tu conseilles le problème de vulnérabilité sur site là. Qui fait que tout le temps, pas de chance de bagaille. Je ne sais pas comment je vais vous dire, parce que c'est pas un expert moyen de maintenant. Juste qu'on a lié un paquet de forum. Et avec le temps, tout le monde a fait bagaille par à force, parce que je n'ai pas besoin. Donc, on n'a pas besoin d'expertise, ça. Mais sous Gael, c'est bon, bah, il y a besoin pour commencer. Mais sous Gael, c'est tant mieux. Utilisez les davantage. OK? Sous Gael, c'est tant mieux. Juste utiliser les davantage. OK? Commencez avec Shopify, commencez avec WooCommerce, avec WordPress, WooCommerce, OK? Et puis, juste battre, on sait, structure là, les cinq lignes verticales, lignes colonnes, lignes horizontales, colonnes verticales, images, après, combiner, bah, ça va bien. Et c'est ça que font website. C'est ça que font website. J'ai une première formation et je me fais sur HTML, c'est ça, j'ai un professeur, ça le dit, qui ça font website? Combinaison de lignes avec colonnes, avec images, avec texte, avec vidéo. C'est ça, les seulement. Donc, c'est où qu'on y a, si on a, si on comprend tout ça, comment on va le design? C'est OK, architecte. Là, c'est quand on veut faire ça. Et ça qui est bien intéressant, ou tellement de ressources de là, ou capable d'inspirer de yo, ou pas besoin de commencer à zéro. OK? Merci Franky. Merci Shirley. C'est un plaisir pour moi à soi. Saint-Hilaire David. Merci Bordepa. Merci Saint-Hilaire. Merci. OK. Qui conseille pour moi qui utilise Payoneer yo? Bon, Payoneer, c'est plus pour. Ou gars, ça arrive. En plus, en plus dans le supplier, ça yo. Yo ka accepte Payoneer parce que vous capable avec Payoneer faire virement bancaire, c'est des souvenirs comme dans sur Payoneer. Donc vous pas de problème avec Payoneer. Par contre si c'est pour modèle business on parle de Payoneer particulièrement, mais pour payer et supplier généralement plus fort supplier actuellement accepter Payoneer, même pour supplier qui soit AliExpress. Moi j'ai supplier que me travaille avec soit AliExpress qui accepte Payoneer. OK, qui t'a accepté Payoneer pendant jusqu'à moi année passée, me dit que supplier comme d'après ensemble avec et accepté paiement Payoneer sans problème. OK, supplier ça pour gagner aux États-Unis, il y a même juste besoin que l'argent soit payé avec credit card, OK, ou capable payer avec PayPal, yo les PayPal ou nos fonds virement bancaire. Et ça moi juste recommander nous et c'est juste commencer ensemble avec un programme, une certaine expérience, ou quand un produit qui marche pour et pour capable commencer à payer en gros, capable prendre produit en gros pour avoir plus de discount au fur et à mesure. OK, parce que ce volume non, on finit par jouer un discount. Et bien même tout, ou capable même chercher tout wholesale, monde qui vend produit wholesale, il y a bon prix, il y a bon prix de gros, mais même temps tout, il y a dropship pour. Alors j'ai un pile dans Diamond Supplier qui généralement il applique ça les IMAP là, OK, Internet Minimum Advertised Price là, que nous t'ai parlé nous dedans dans série là. OK, donc on j'ai un pile dans supplier ça qui c'est des wholesalers, ils vendent produit en gros, mais en même temps tout ils font dropshipping. OK, il y a un problème, il y a bon prix à un prix de gros ou payer au prix de gros, il y a quelque dans stock, il dans stock pas au dans stock pas dans warehouse, dans dépôt yo, et puis chaque vente yo puis yo ship pour. Mais on demande en pile fois au minimum. On demande des fois au minimum. Gien là donc pas mal de minimum là. Depuis par exemple yo West City, sous gagner généralement pas mal de minimum c'est leur track record. Je me dis pas track record là, une bonne expérience ou qu'a montré que ou fait business à succès déjà, ou fait business à succès online. OK? Et puis ou capable wedi. Et des fois va besoin comme si ou t'es fait succès dans dropshipping. Tu capable faire ta vente sur Amazon, ou ta vente sur Facebook Shop. OK, donc juste besoin de voir son monde qui fait succès déjà online et des fois ça est ouvert avec lui. Sinon, il y a juste à des fois mande pour payer un minimum d'avance. Sous baguette tout pour bail, là dit mon cher m'a pas payer.
m'pa ka payo et 30 combien unité bon m'pa ka payo tout ça m'ka pa payo juste bon tête temps débat nos script dernièrement débat nos script que me mettre lien dans dernière vidéo là donc on va juste aller dans script là pour nous exactement qu'est-ce que m'pa parler avec supplier ça yo lorsque on mande pour payer une certaine quantité up front pour ta négocier ensemble avec yo ou pas obligé payer toute quantité ça up front. OK, moi j'ai contacté un monde ici yo qui que moi t'ai prendre en banque. OK, j'aurai le mais on va passer mes informations ou donc à passer le bas et demi. Passer le bas et demi directement si même les besoin information. OK. Qui conseille pour monde qui veut utiliser compte Pioneer dans e-commerce? Ya, bon, on passe me comme ça déjà. Et Luna, OK, son plaisir pour moi c'est Luna, saluez-vous. Merci en pile. Est-ce que obligé acheter un thème pour commencer? Non, on va nécessairement obligé acheter un thème. OK, sou pas capable prendre optimize, non, sou pas capable utiliser optimize, non, capable prendre n'importe quel autre thème que vous voulez utiliser, d'accord? Donc il pas nécessaire que watch ton thème, OK? Pas nécessaire watch ton thème. On va juste prendre thème gratuit, j'aime te dire avec Shopify et puis ou prendre n'importe thème gratuit Shopify début thème, ou capable prendre début thème là, ou capable prendre bah comment l'autre la relation qui est très intéressant, hein. Brooklyn et puis ou combiner dépendamment dans les chouier, hein. Brooklyn est très minimaliste, surtout soit fait store qui rapport avec furniture. Design by Sayo. Et vous combinez avec Jump Pages. Mon gars, juste fonctionne avec Brooklyn. Et vous buy site là, feeling là. Tout bas là, c'est comment on fait image. Acheter Shopify bien ranger image. Pour chaque catégorie, mettons belle image. Mettez bordure là-dedans. Mettons image en produit principal. Mettez une image pour nous voir chaque catégorie que vous présentez. Et c'est ça tout bas là. OK? Yeah, le début de thème là est vraiment intéressant. So, depuis de commencer la première fois même avec Shopify, j'ai juste utilisé le début de thème là. Et même thème que même moi fait que my one de formation gratuite, c'est sous base début de thème là que me fait. M'pas inventer rien, c'est juste bas nos structures là. OK, thème moi bas nous, hein? OK, pour monde qui plus ça fait monoproduit story, c'est sous plus base thème et début de thème tout thème dans le fait. OK, c'est sous structure basée, nous juste structurel pour nous, c'est nous pas besoin de faire recommencer, nous juste structure dans tout là. Surtout soit fait un monoproduit store. OK? Dans moment la fait nous passons passer en pile musique qui conseille capoter pour monde qui veut éviter déjà de problème ça. Premier problème capable poser nous et nous était supposé parler de ça dans masterclass là samedi soir. On pas préparé assez, donc nous repousser masterclass là pour samedi prochain. Et nous allons préparer le bonheur semaine pour nous porter tout élément de réponse à question ça qu'on pose là en juin pour vous. Et en même temps, comment pour nous préparer nous pour iOS 14 là. Mais pour nous capables de bénéficier public là qui là, pour bénéficier public là qui là, qui pas nécessairement en information, mais qui va attendre après. Et parce que masterclass c'est seulement pour nous qui dans l'information, qui dans le groupe nous, qui dans le groupe privé Facebook formation. Et ben, nous faisons une masterclass gratuite pour nous qui dans le groupe privé Facebook formation chaque mois. OK, si nous pas faire le mois nous reporter pour l'autre mois, mais nous généralement fait un masterclass gratuit chaque mois. So et ça me dit qu'à recommander nous c'est vérifier toutes les informations sur business manager. C'est-à-dire, vous allez dans business manager à côté qui vous allez dans business info et vérifier toutes les informations. Nom, adresse, numéro de téléphone, email là, OK, si business sont enregistré, document LLC ou by tout base, make sure qu'on business manager qui verified. Mais ça c'est premier bail là. Vérifier business manager ou. Et puis deuxièmement, lorsque vous avez un business manager pour commencer pour la première fois, pas courir ou les ads sous les, pas courir ou les campagnes sous les. Juste ou les campagnes engagement, ça veut dire PPE campagne, ou bien campagne like, ou bien whatever, pour $20. OK? Ou 10 dollars ou $20. Fais ça pendant 2-3 semaines. OK? Ou $20 ou les, juste ou les comme ça, pour bail à compte la maturité. OK? Bail à compte la maturité. Make sure que website auto li bien présenté avec toute page policy comme ça montrer nous general condition shipping policy return policy page contact ou adresse ou pour website là li clair sur site là OK image produit ou tout à fait propre make sure que site ou li bien présenté les bon look qui professionnel d'accord make sure li bien présenté et que le bon look qui vraiment professionnel OK et dès pour fin faire ça et pour les petites campagnes et engagement tout on va la supposer qu'il y a un problème. Si vous avez un compte qui est bloqué déjà, vous contactez Facebook, pas un café, c'est la solution que vous avez, c'est acheter l'autre ordinateur. Si vous l'autre ordinateur, on a un caille, vous pouvez utiliser le tout. En même temps, make sure que vous utilisez un autre IP. Vous pouvez utiliser connecté sous même IP. Il faut que vous ayez un autre IP. Donc, vous pouvez aller Internet Provider, vous pouvez bon Internet, vous pouvez changer IP en vous. Ou bien juste dire que vous avez un problème, changez le vous. Vous avez besoin de raison pour ça. Vous avez un problème, changez le. OK, si vous voulez changer le pour, si vous voulez changer IP à distance, vous voulez changer IP à distance. Mais l'important pour changer l'ordinateur, parce que Apple, tout ordinateur qui a un barrage qui est le MAC address.
OK, Mac là c'est MAC. Et pas pour Apple, et pas pour ordinateur Apple seulement, non, tout ordinateur qui s'appelle Mac address. Son adresse, c'est comme si c'est adresse physique ordinateur. C'est même genre lorsque ou gagne adresse Bitcoin ou, OK? Et ben c'est même bail. Son adresse sur ordinateur, c'est-à-dire depuis qu'on était connecté sur tel ordinateur connecté. Qui Mac li, qui modèle li, qui année li, etc. Couleur tout bail. OK? Donc sous tes comptes qui étaient dans bloqué, vous avez comme utiliser ordinateur ça, donc soit pour recommencer à toujours pour vendre la compte sur même ordinateur automatiquement bloqué. Automatiquement après bloqué. Donc vous juste besoin qu'on l'autre ordinateur, c'est seule chose qu'on va faire. Faire compte sur l'autre monde, on l'autre monde et puis faire mon abord invitation tant pour yon usager de la compte donc administrateur et vous pouvez utiliser la compte la commande. Et vous ils ont l'autre carte tout. On va pas utiliser même carte de crédit ou même carte de débit qui est sous compte Facebook qui était bloqué. Faut faire l'autre carte. Faut qu'on fasse l'autre cas, vous pas. Et pour faire ça, donc, vous êtes supposé en forme. Mais pas courir, aussitôt que vous avez un nouveau business manager, pas courir à le PDO ou les ads. Ok, pour un petit temps, ou l'on petit campagne engagement, campagne like, première campagne, genre de bail ça. Et puis, Shirley, ma carte de ça n'a pas changé. Son bail, vous mettez depuis dans la fabrique. Ok, son bail, vous mettez depuis dans la fabrique, vous n'avez pas changé. Tout ordinateur obligé de gagner. Ok, chaque ordinateur qui sorti, il y a une base de données globale. Qui dit, mais qui ordinateur était fait, mais qui paye, il était fait, mais qui fabrique, il était fait, mais qui l'a pas être sous marché, hein, qui l'a été lancé, il va dire qu'on a acheté, mais pour acheter, je connaissais où il y a. C'est seul même qui gagne parce que son seul, chaque ordinateur a son seul MAC address que je connais. À moins que le bail a changé, mais que je connais, c'est ça. Ok? Chaque ordinateur a son seul MAC address, donc on va changer. Donc, seul choix gagné, c'est juste acheter un autre ordinateur. Ok? Et sous États-Unis, pour les gens qui sont États-Unis, juste acheter un ordinateur Costco. Parce qu'avec Costco, ou ka change ordinateur, ou ka va aller dire après 3 mois, ou dire bon problème, soit que Facebook a bloqué, ou ka prête ordinateur pour 3 mois juste pour aller ouvrir l'autre compte, ou aller sous l'autre compte, ou ouvrir ordinateur, ou ouvrir compte là, et puis ou gagner l'autre ordinateur là, ou pour utiliser. Donc, c'est un avantage que Costco bail en termes de service après-vente qui facilite aussi le monde pour gagner quantité, pour ka changer ordinateur le plus rapide que possible. Ok, ça c'est plus pour le monde qui est aux États-Unis. Que j'ai pour moi un jeune coupon spécial 50% sous couyo. Et m'a nous coupons déjà, c'est juste aller sous formation et puis rentrer. Oui, l'on va acheter. OK? Ingénieur, j'ai fait. Et c'est juste aller sous page là et puis rentrer. L'on en va payer, rentrer coupon, bam, 50 mois. OK? est-ce que si on monte à un VPN, est-ce qu'il y a une solution? Ou qu'a essayé un VPN? Ou qu'a essayé un VPN? Yeah. Un VPN ou KSC en VPN. Même moi, fais avec VPN pour pas changer ordinateur. Commence avec, pour pas obliger à le courir acheter un autre ordinateur qui est plus cher. Commence avec un VPN. Ok, commence avec un VPN. Ou KSC fait ça. Ok. Est-ce que Google Ads est plus bon? Et pour moi, même Google Ads beaucoup plus. Pire même, parce que pour plusieurs raisons. Parce que de un, il y a moins de sponsors. Ça qui est très intéressant. Je ne vais pas le monde sur les. Parce que ça fait mon affaire. Plus on garde sur le plus compétitif. OK? Cependant, c'est une raison que je fais chercher avantage dans le côté de l'époux. OK? Tout problème Facebook qui a, parce que tout le monde a besoin, parce que tout le monde a utilisé. Si tu commences à perdre des advertisers, tu as commencé à ranger quoi. Et puis, soit regarder Facebook compatiblement avec advertisers qui ont dépensé billions of dollars, ou même à venir dépenser 20, 40, 100, 200, 300, 500, 1000, 3000, on dit dépenser 5000 dollars non mois. Comparativement, on est capable de dépenser millions. Bah, même on est capable de dépenser millions, Facebook a pu débloquer à compte. OK? Donc, mais on est capable de dépenser billions. OK? Facebook plus intéressé avec Nexar. Donc, c'est pas Facebook, je pense que Nexar vient en face côté que yo trop gros. They are too big. OK? Il y a des têtes Nexar vient trop gros. OK? Puis gros que step pas. C'est gros que Nexar vient trop gros, yo trop pour bail là. Ça c'est son simple appréhension. On va dire mondaine, vulgaire que me fait. Mais je pense que Google Ads, ils sont restés on s'arrête dans Blue Ocean, côté en pile compétiteur parallèle sur eux, parce que yo est comme si il est trop compliqué. Mais pas rien de compliqué là-dedans, honnêtement. Pas rien de compliqué là-dedans. Et vous capable de gagner Merchant Center ou bien connaître comment optimiser vos produits ou et Fido li rester toujours bien optimisé, OK? Ou gagner plus compétitif. D'accord? Parce que pas bien, lorsque nous allons sur Google, c'est d'abord comme tout à l'heure. Lorsque sur Google, on cherche un produit, si on retourne à côté de nous, c'est m'a dit, on cherche Flore Limp là.
Là, on a regardé, il a comparé le prix. Mais ça me remet avec là, c'est que non seulement l'image, avec Facebook, on a seulement le report là, qui va être devant. Ok? Et puis, ça, on dit, oh non, avec Facebook, pas en compétition, Google, il y a une compétition parce que on a l'autre prix pour l'autre produit. C'est tant mieux! Parce que moun remet acheter sous base ça remet comparer, c'est ça dans psychologie maintenant puis moun oublier. Moun remet acheter sous base ça comparer et pas oublier tout ou pas qu'à forcer customer acheter ou qu'à mettre simplement dans feeling que veut acheter. Et non mais qui ça mais et l'aime dit ça mais qui point que nous supposer comprendre avec Google Ads. Lorsque moun vient sur Google, li chercher ça le besoin. Ça qui veut dire qui ça? There is intent, gain intention. Pas oublier, ça me dit côté attention yé, intentions follow. Et c'est mon nom de combat qui te fait que capture l'attention. Il dit, oh, moi, ça plusieurs fois, ça attire l'attention. Moi, je vais checker sur Google. Il dit, tu as l'intention qu'on ait la page. Qu'on ait, est-ce que la page dans mon ou bien dans mon autre monde? Ça fait la différence. C'est pour ça, on suppose à ce qu'on a un prix compétitif. OK? C'est un prix compétitif. Idéal, c'est pas PC. C'est un exemple que moi, mais high ticket dropshipping. C'est que peu importe, par exemple, ma plan floor, ça fait 301 000 recherches par mois. On t'a dit que je n'ai seulement 1% de monde qui visite le site moi. Still, c'est 3000 monde qui visite le site moi. Par mois. On t'a dit 10% visite le site moi. 30000 monde qui visite le site moi avec un seul mot clé et un paquet d'autres mots clés là que je suis capable d'optimiser sur yo. All right? Donc on t'a dit que dans ça, j'ai seulement 1% conversion. C'est 3 monde qui achètent par jour. Des produits qui vendent 249$, $126. Est-ce que nous avons une différence là? Quand on est capable d'assurer votre liste, pour que tu sois fonds $50 sur lui ou à fonds $60 sur lui ou qu'on fasse $40 sur lui. Des fois, tu vas même faire 30%. M'a pas les gross profit. Après, pour être net profit, on paye advertising, on paye gens de base. L'idée, c'est juste que tu es avec un $20 minimum dans le poche. C'est ça qui est important. Avec Google Ads, on carré avec un $20 minimum dans le poche. L'offre, c'est toute dépense. Frais Shopify, frais advertising, frais l'autre bail qu'on paye. Ou calculer tout bail dans le business ou et puis vous assurer que l'offre, c'est tout bail, ça est net. Comment c'était vraiment pour moi? Parce que pas ça me dit encore, ma care qui vaut le moufet. Ça care, c'est ça, moi care, c'est combien que tu dans le poche. Bottom line, là. Et lui-même qui est important. OK? Donc, ça, dans ce sens, ça, c'est une raison que même moi préférer Google Ads. Mais encore, il dépend de produit. Hein. Si produit là, on connaît l'intention de elle, commencez avec Google Ads. Si produit là, son bail qui novelty, on bail qui plus gain impulsion de elle, on moun pou kontan de parler de toi. Par exemple, produit que nous mettons sur Marketify, yo, ok, produit ça a plus fait sens qu'on commence avec Facebook Ads. Et ça qui fait produit ça a intéressant, hein, ma preuve nous encore que yo gagnon une excellent proposition qui est intéressant, ok, et puis en même temps tout, yo gagnon. Yo gen huge market acceptance. Ça veut dire que mon habitude avec style produit ça peut-être yo simplement pour que web modèle ça simplement pour que web différenciation ça sauf ça nous montre dans Marketify yo yo web produit qui similaire avec déjà juste pour que web les gens présenter là j'en parle là et ça fait produit sur Marketify yo marche très bien avec Facebook Ads. OK, pas tout qui nécessairement des produits gagnants. OK, pas tout qui produit gagnant, mais at least ça nous aide au fait avec Marketify, c'est bon yon base pour commencer sous lui. Mais pas des produits comme c'est que tout le monde joigne yo sous Ecom Hunt, yo sous Backonest, comment l'anglais, celle de trade, yo sous toute plateforme net, et puis tout le monde a pour même audience là, sur Facebook, le pratiquement, ou saturé audience là, avec même monde qui a présenté exactement le même produit, hein, et généralement, utilisé même vidéo, hein, généralement, yon copie avec description l'autre, ok, ou pas qu'une façon capable de séparer de l'autre là. OK, donc on va quand même façon capable différencier nos compétiteurs. OK, donc et avec produit ça qui sur Marketify yo qui c'est plus des unique selling proposition qui gagne un USP qui fort. OK, et en même temps tout non seulement nous assurons que gagne un USP qui fort, mais en même temps tout nous connaît que bon belle audience qui va éventuellement intéressé avec produit ça. OK, donc capable commencer avec Facebook Ads, mais si gagne intention des produits, hein, connaît que mon a cherché là avec intention, donc il fait sens qu'on commencer avec Google Ads. OK, même lorsque nous connaissons que Facebook a travaillé en pile pour capable changer un peu et algorithme yo a il y a voulait plus aller vers recherche pour capable découvrir contenu et en même temps tout il y a focus en pile sur vidéo. OK, il focus en pile sur vidéo découvrir contenu nous capable en pile bagarre qui très similaire. OK, à ce qu'on voit sur YouTube bagarre qui très similaire à ce qu'on voit sur Google. OK, mais le fait que et pour me répéter mot Jeff Bezos, Google est en montagne. OK, Google sont gros monde, c'est mon l'hôpital. OK, Google c'est mon pile beau. OK, ou pas monter sous n'importe qui gens. OK, faut aller sous lit en façon, ça fait plus faut monde parle sous lit et ça fait que il est intéressant parce que les plus faut monde parle sous lit, eh ben mon frère, ça fait mon affaire, me souris, me dit merci bon Dieu parce que les paquet trop monde qui sous lit, bon avantage. OK, donc on était on essaie en bleu quand même capable tirer à avantage de lui-même. OK,
Mac Generator Address là pas utile. Par contre, si on va y vendre, si on vend un bail comme ça, après, comme vous grandissez. M'a connu, femme d'âme, m'a première femme d'âme de ça, Shirley. Première femme d'âme de ça, m'a connu, m'a habillé, sinon ça m'a dit. Ok? Mais si vous, même que m'a connu tout ordinateur avec mon seul Mac Address, ou pas qu'à fait que m'a connu personnellement. Exactement, c'est un téléphone qui a email ou un email number dans ce téléphone, ou pas qu'à changer, ou pas qu'à fake email number. Parce que email number, là, c'est un numéro, son adresse que tout téléphone a. Quel que soit téléphone qui a sous la tête, il y a une adresse unique. Ok, bah, numéro de téléphone, dans ce moment, il y a une adresse DL, il y a email. I-M-E-I. Email number, c'est exactement le même. James Field, il y a un peu de mal, il y a un peu de mal, Pour mon net, guys, cependant, nous partageons l'information avant. Moi, j'ai un problème avec un site MLM, mais même avec VPN, je pas qu'à accéder. Bizarre. Très probablement, il a bloqué VPN. Amazon bloque VPN, tout. Ok, papa dit que, pas comme si VPN n'a son bar qui n'importe où qu'à passer sur Amazon bloque VPN. Actuellement, les mots sur Amazon avec VPN, Amazon dit, hey, ou sur VPN, déconnecté. Surtout, les besoins d'aller Amazon Prime. Mal pour VPN pour me capable bypass pour me dire bypass Amazon qui est bim. Amazon qui est bim. OK. Ça m'oblige à faire son VPS m'utiliser qui sont ordinateurs à distance, ça différent. Ou capable prendre option VPS là tout. Et dit ou toujours sur même ordinateur là, mon connecté à distance sur l'autre ordinateur. On ordinateur virtuel, moi qui oublié ça, ou capable utiliser ça le VPS. Qui sont virtual private server, qui sont serveurs virtuels à distance. Les ça, c'est pour son ordinateur qui est en côté et vous montez sous lui à distance. OK? Et puis, mon plateforme pour t'acheter un VPS, les Kamatera. Il m'utilise même. Kamatera. Bon, c'est Kamatera.com. OK? Maximum, même si tu as utilisé lui, maximum, on paye par mois $30. OK? Maximum, on paye par mois $30. Ou juste besoin de créer un ordinateur. Ou vin là, ou ba dans VPS, ou besoin, il va ça non products cloud server software licensing image migration service cloud setting solutions. Yeah, ou juste dans VPS hosting, n'est pas quoi c'est VPS hosting dans virtual private server. On garde moi c'est celui. Yeah, c'est lui même. OK. OK, VPS hosting server set up in minutes, instant scaling up and down, 99% uptime guaranteed. OK. Mais il est vraiment intéressant. Et vous regardez, vous avez différents types de CPU. Vous pouvez venir là, vous choisissez quel type de CPU que vous besoin. Vous avez general purposes, un type A, type B. Après là, il va charger, regardez ça. Jusqu'à, je ne sais pas 0,0, comment vous dites ça là? Je ne sais pas comment vous nous dites ça. OK, mais c'est à peine $4 par mois. Ça va venir $9 par mois. OK, ça me plus utiliser en que ces dernières là qui va venir $15 par mois. Et quand venir $30, ça va dépendre de qui usage qu'on fait. Il dépend de qui usage qu'on fait. OK. Et le setup de mode qui caractéristique au besoin de ordinateur, après le gain 1 to 154 CPU, 256 MB jusqu'à 512 RAM, 5 Go storage. OK. Après gain n'importe 100,000 combien variation, ou je choisis ça vous voulez. Microsoft Windows Server. OK, c'est les mêmes utiliser sous même Ubuntu, quand utiliser Ubuntu même sur Microsoft là connais même ma connais sûr. OK, donc ou juste aller avec ça et puis ya yeah, bâton et vous gagnez leur connecté ou gagne 13 global data centers. Donc vous capable de filtrer comme si vous connectez aux États-Unis, North America, bla bla bla, North America, Canada, ou gagne Europe, ou gagne Asie, ou gagne Middle East, ça va les bonnes de côté choisir hein? Et puis voilà. OK, donc nous allons aller sous lui. Il y a bon 30 jours gratis et sur Kamatera, il y a 30 jours gratis pour tester lui tout. OK, laisse ça juste et on pas besoin acheter l'autre ordinateur, ou juste gagner un VPS. Donc on va utiliser version 30 jours gratis là pour tester pour essayer marcher pour. D'accord? Avant on court à acheter l'autre ordinateur. OK, juste utiliser VPS hosting Kamatera. All right? Mais j'espère que ça aide nous. OK? De toute façon l'autre barre au café tout au lieu pour acheter l'autre ordinateur. OK? Et les puis on marcher tout de toute façon. Même si on paye $30 par mois, même si on paye $15 par mois, multiplié par 12,
Et même arrivé pris un ordinateur, ça va acheter l'ordinateur neuf. Patrice Clédo, ça que passe frère pam, nèg sérieux, content au border. Ah Patrice dit semble me besoin un masterclass sur Google. Oui. Ah mon cher. C'est fort nous. Yeah. En forme border, content au men. Comment ça avec Shopify ou bien WordPress, qu'est-ce que tu as conseillé? N'importe là-dedans. Pas de différence. Pas bien que ça pas le marché pour avec Bitcoin business, ça soit utiliser Google Ads, c'est optimisation. OK? C'est optimisation. Et WordPress offre un paquet d'outils d'optimisation pour SEO. OK? Un paquet de plugins qui est même gratuit pour utiliser pour SEO. All-in-one SEO, Yoast SEO, un paquet de bagues pour utiliser pour SEO pour push website. So, on va commencer directement avec WordPress, avec WooCommerce. OK? N'importe là, c'est peu importe ça qui est plus facile pour vous. Et puis. Ok, Angelin, il y a un focus sur les plus. Et c'est une raison que fait une formation moins design ni comme ça. Nous commençons premièrement avec Google Ads. Et une formation nous dit, ok, mais comment on connecte qu'on est avec Facebook Ads? On a Google qui a alimenté Facebook. Ok? Parce que l'on commence à jouer une data, Google commence à alimenter Facebook. Et ça, ça permet de faire. L'on a Google qui a alimenté Facebook. On commence à voir les data que Facebook besoin, crucialement besoin, pour être capable d'aider aux jeunes sur besoin. Parce que, pas bien que Facebook ne pas comprendre l'intention. Il va juste permettre qu'on interprète comportement. Mon avis sur site là, ok, il fait, il clique en côté, il fait view content, il fait add to cart, il fait abandon checkout. C'est ça seulement permettre ouais, pas grand on fait plus que ça. Mais si mon avis commence à Google, de Google, mon avis sur Google, il vient de Google, il vient avec intention que le tape cherche un bagage. Vous connaissez que il y a intent là derrière, il y a intention, un besoin bagage. Et côté intention mon avis intention follows. Côté attention, mon nom pardon, intention follows. Il te gagne attention, ça, il t'a regardé d'un côté, il te gagne en télévision, il te gagne sur website, il te gagne qui peut être sur Facebook, il te gagne pour interagir ensemble avec lui. Et puis, de même côté, il dit, wow, ok, maman, checker sur Google. Et puis, de coup, et c'est peut-être sa produit qui est saturé, qui peut être relativement saturé sur Facebook, il marche très bien avec Google Ads. Ou il doit par exemple aller sur Ecom Hunt. Ça m'a même fait, juste aller dans la page qui est plus fond, mal dans 20, 30, page 40, 50, des produits que je connais. Et dans ce qui est intéressant, aller dans la plateforme, ça va pas produire répéter. Je vais juste répéter chaque année, puis on paye chaque mois. Vous. Ok? Je vais faire expérience en combat. Aller dans la page qui est plus fond, et puis aller dans la page 2, on va presser même bouillie vidéo. Je vais juste réchauffer la bouille en bas. Quelques petits bails qui viennent de temps en temps. Et avec pandémie, très peu de produits nouveaux qui paraissent. Très peu de produits nouveaux qui paraissent. Effectivement. C'est une raison qui fait apprendre à présenter produit, brand ou en façon, jouer nous un qui unique pour présenter produit. C'est important. OK? C'est une raison qui fait l'important. OK? Donc, et focus sur Google Ads, là. Focus pour mettre sur Google Ads, là, c'est justement pour une raison ça. C'est justement une raison ça, particulièrement. Parce qu'une fois qu'on finit d'alimenter Facebook avec, ou buy Facebook data qu'il besoin, on est capable de prendre data ça, et vous dites Facebook, OK, on va commencer à faire lookalike audience. On va commencer à faire ça, on va commencer à faire ça, on va commencer à faire lookalike audience de monde qui te fait add to cart, on va commencer à faire lookalike audience de monde qui te fait initiate checkout, on va commencer à faire lookalike audience de monde qui te paye éventuellement. T'es pour te garder des 50 conversions, vous avez assez data dans le monde pour commencer à faire Facebook, il y a plus bon quality data, ça qui permet de venir plus bon data de qualité dans le monde pour faire Facebook bon qu'on y a plus bon résultat. Pour Facebook bon plus bon résultat. Trois premiers jours fondamentaux l'ont lancé campagne sur Facebook. OK, et du coup jeune une dans trois dans ad set on a va tester 10 ad set. OK, et pour jeune deux trois qui bon sales automatiquement commence à dupliquer tout check 5 fois ça va me dupliquer 5 fois dupliquer ça 5 fois dupliquer ça tout ça par sales dans 3 jours ou kill yo. C'est ça nous montre d'information. Et puis au fur et à mesure que Google apprend plus data, et puis Facebook pardon, apprend plus data, Google apprend data d'aller puis obtient data sur Facebook et ben deux plateformes qui ont allé venir vraiment bon outil extrêmement powerful dans mon. Extrêmement powerful. Alright. Qui joue quand j'ai une VPS là? Ma pote le bas. Ma pote le bas. On va aller sur Kamatera, frère. Je vais monter nos sites là encore. Et je vais montrer. Ou juste aller sur Kamatera. Ok. Ou aller sur Kamatera et pour setup VPS. Ok. Extrêmement bon marché. Pas de plus bon marché dans le marketplace là. Et. Très, très, il fonctionne très, très bien. Et dire, pour un ticket là, qui budget environ au monde qui a besoin pour le start? En $500? $600-$700 pour les ads? Ça suffit pour le start, oui. Pour les ads? On va pas l'acheter pour le jamais là. On va le payer pour le faire site pour.
ou ka éventuellement faire site pour compte ou sou vle pe un moun ou vle utiliser un template template mwen ba nou an ki se ke mentionné ki se comment rele an et Shoptimize là il y a tout ça besoin il tellement gen bagay ba ou pa trop ou gen trop ou retirer là dedans OK tellement gen bagay OK VPS lan pi bon que VPN nan. Yes, VPS lan pi bon que VPN nan. Sa ou pense ki kap pi bon pou yon moun utilize an VPS, VPS lan pi bon. VPS lan pi bon. Ok, Robert Smiley, ki jan ou yon bode m lanse yon ad sou Google la mal verifi si ad yo ap mache, yo di m ad yo pa mache, et pi Google boule. Ad yo pa mache, Google boule kob la. Comment Google boule comme là? Gardez pour que depuis que les campagnes n'ont pas boule, il va boule comme là en un jour, à moins qu'on te mette budget pour boule dans un jour. OK? Gardez pour que il pas l'impossible pour Adzio va marcher. Depuis budget campé, Google pas charger, n'a pas campé Adzio. OK? Depuis budget te mettre en fini, Google t'a supposé camper Adzio. Donc, je pense que le premier bail m'a gardé, c'est un, est-ce gardez pour qu'il y a Google te charger, gardez pour sourire, parce que Google, bon, on limite, l'offre commence, je pense que c'est $350. Ce premier $350, mettez le charger. Ou bien sur le premier $20 ou bien. Ça va dépendre de qui n'a qui market ou qui côtoyer. Il y a varié. Et puis au fur et à mesure, il augmente le crédit en vous. C'est comme si son système crédit ou bas. Et bon, quantité, ou boulel, ou dépenser li, ou payer, et puis ou boit plus. Ou dépenser li, ou payer, ou boit plus. Vous comprenez? Donc, il faut regarder pour ça qui passe au niveau de la campagne. Là. OK? Et certainement, ou jouer une data, l'impossible que la campagne là, jusqu'à un peu le bas ou les Google prend comme d'un monde. Si c'est le cas, donc vous pouvez contacter Google Billing, contacter Billing Department, chercher Google Billing Department en cours sur online, sous Google, chercher Google Billing Department et puis expliquer la situation. Je t'ai supposé remettre au code. Je n'ai pas beau code là sous 4, je n'ai pas fond ou non, il y a juste mettre le disponible sur compte Google Ads pour utiliser. Je n'ai pas voué code là sous compte en bas. Je n'ai pas fait barrer comme ça. OK? Donc il y a juste mettre code là sous disponible pour soit compte ou même pour capable utiliser encore. OK? Si mon chat a compte bloqué, gardez pour qui côté problème là. OK, cherchez exactement qui côté problème là. Démontre nous un article dernièrement qui montre comment pour capable troubleshoot pour exactement qui tout problème qui est au niveau de mon chat a compte, ça fait le bloquer. OK, qui côté problème blocage en sorti. OK? Donc par contre, pas l'ouvre l'autre mon chat a compte. Résoudre problème de sur mon chat a compte depuis qu'on y a. Cherchez pour quoi problème là. Est-ce que c'est lentement qui on bagarre, est-ce que c'est page yo qui manquer, page police yo, est-ce que tout bagarre là. OK? Assurez que tout bagarre là. Retournez sur l'article, c'était sur Feed Advisor, comme demain, Feed, ce que c'est encore. Dès que vous avez déjeuné, je vais vous donner une vidéo, guys, et je vais vous faire une vidéo sur ça, particulièrement sur la page là. Juste checker Jacques. Ok, Jacques, juste checker les, et puis vous êtes capable de vérifier. Ok? En même temps, tout. Yo t'a supposé dire pour que ça a bloqué. Ben principale raison yo c'est misrepresentation. OK, ou fait être passer pour son payé. OK, ou gen product feed là qui peut être un problème, mais généralement problème qui fait bloquer c'est yo y a bon pour qui raison. Cherchez pour principalement pour qui raison et puis al soit que ça peut me dire là et puis elle essayer ouais comment capable troubleshoot. OK? So guys, nous passer trop de temps sur là, comment faire tout le temps ça et pourquoi moi en plus. Et so m'espérer que nous passer une bonne soirée. Et m'a rappelé nos promotion pour discount 50% la fini pour monde que ça intéressé la fini demain lundi le 31 à minuit. OK, 31 mars à minuit. C'est-à-dire pour entrer pour 1er avril et pas poisson d'avril m'a ban non, c'est bon bagaille. D'accord, donc la fini pour 1er mars là et puis le 31 mars là, pardon. Et si on t'a gagné éventuellement d'autres questions, nous capable mettre en bas pour monde qui va regarder live ça après, on capable mettre en bas commentaire yo et t'a fait un plaisir pour nous répondre yo pour même. OK? Pour le reste, m'a mettre nos formules là avant m'aller, mettre bon Dieu devant tout ça n'a fait. Reste là, c'est détail, moi mets nous en pile et passer une bonne nuit. Take care guys.